vous tous, je vous invite éventuellement à prendre vos places. On a, donc en préambule de notre conseil municipal, vous savez, la présentation donc d'un des projets donc importants pour notamment Neuvy-en-Mauges, mais important aussi pour Chemilly-en-Anjou. Et c'est donc Christian qui nous apporte sa contribution pour une présentation de l'aménagement donc des abords de la place de l'église de Neuvy-en-Mauges. Et puis Patrice pourra compléter éventuellement. Voilà, si toutefois Florence veut apporter aussi sa contribution, ce sera avec plaisir. Ou Thomas, mais Thomas n'est pas là. Thomas est excusé. Et Francis non plus. Allez, Christian, tu as la parole. Bon, on m'entend là ? C'est bon ? Bon, bonsoir à tous. Bonne petite assemblée ce soir. On va commencer quand même. Comme le soulignait Hervé, je vais aborder, vous présenter notre projet de campagne qui était... qui est l'aménagement des abords de l'église. Vous allez comprendre, c'est la première réflexion tournait autour de l'aménagement de la place de l'église, mais finalement, le projet est beaucoup plus large que ça. Pour vous expliquer un petit peu le début de cette réflexion, en début de mandat dernier, c'est-à-dire en 2014, Christophe Dillet, qui était alors maire de Neuvy, pose la question à ses nouveaux conseillers. Quel projet vous souhaiteriez voir, voir le jour dans le mandat? Plusieurs idées ont été évoquées, et puis entre autres est évoqué le rafraîchissement, l'embellissant un petit peu de la place de l'église. Et puis, il n'y avait pas d'idée précise, hein, c'était juste une idée d'aménagement. Et puis en 2018, suite au décès de l'abbé Bristot qui habitait une maison à gauche de l'église, je vous présenterai ça tout à l'heure plus précisément, la famille a décidé de vendre cette maison. Et avec cette maison, il y avait un espace, un jardin assez grand, sur la partie gauche de l'église. Et donc, à ce moment-là, la commune a fait valoir son droit de préemption pour pouvoir imaginer une liaison piétonne qui relierait la place de l'église et la place du commerce. Alors, vous voyez ce qui est dessiné, hein, c'est ni une girafe ni un dinosaure, c'est plus les contours du projet. Voilà. Donc, la place de l'église, on voit l'église est au centre, et puis la place du commerce se trouve tout en haut de la figure. Voilà. Les contours du projet sont ceux-là. Plusieurs enjeux à ce projet-là. Finalement, alors rendre accessible et en conformité les cheminements, et surtout les sécuriser. Pour vous dire, aujourd'hui, pour se rendre à la place du commerce qui se situe en haut, le cheminement se fait le long de la voie de circulation en passant devant le bar. Et c'est le carrefour avec des cheminements qui sont un peu étroits et pas forcément très sécurisés. Donc l'idée, je vous l'ai dit, c'était d'une jonction entre le parvis de l'église et la supérette. Donc c'est le cheminement qu'on voit le long de l'église. Assurer l'accessibilité de l'église sans marche. Alors en effet, tout lieu public doit être accessible PMR, donc finalement c'est l'occasion de le faire. Réduire la vitesse des véhicules motorisés. Bon, comme à bien des endroits, les riverains se plaignent de la vitesse excessive en centre-bourg. À nous d'imaginer les aménagements qui pourront tenter de réduire la vitesse des voitures. Rationner le stationnement. C'est vrai que le stationnement aujourd'hui se centralise sur la place de l'église de manière pas très organisée. Demain, sur le parvis qui est imaginé, il n'y aura pas de stationnement possible, mais il y aura du stationnement devant les habitations et plus de stationnement créé au niveau de la place de la supérette. Et puis, installer un sanitaire public préfabriqué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sanitaires publics qui sont en état très, très, très relatif. Et encore, je pèse mes mots. Donc, ça sera l'occasion, finalement, de remettre ça au goût du jour et surtout en conformité. Et puis, l'idée principale de requalifier le centre-bourg par un aménagement esthétique. Alors, c'est vrai que la création de cet aménagement permet de mettre en valeur l'église. On a une belle église à Neuvy, mais en fait, on la voit pas trop. Là, on crée un parvis. Ça permet aussi de végétaliser les espaces du centre-bourg. Et puis, choix des revêtements. C'est vrai que bon, on est sur des choix de revêtements plus esthétiques, plus valorisants pour notre centre-bourg.
Donc les travaux, ça commence par la démolition, comme souvent. Vous voyez un petit peu sur la photo, le mur qui se trouve à gauche de l'église va être démoli. Donc c'est derrière ce mur finalement qu'on a tout ce projet de cheminement piéton. Et donc seront déconstruits donc les toilettes publiques. Il y a une grange qui était une ancienne menuiserie. Donc ça c'est très ancien évidemment. Il y a également il y a un puits qui est assez esthétique qui va être conservé parce qu'on a envie de le garder. Ça fera un ensemble intéressant. Et puis donc une petite déconstruction également à gauche. Ça c'était un hangar en tôle tenant à la maison. Et puis l'ouverture de passage, c'est-à-dire qu'en fait on doit faire l'acquisition d'un bout d'un jardin d'un riverain, un monsieur Moreau d'ailleurs, pour ne pas le nommer, qui permet de pouvoir déboucher sur le parking de la supérette. On fait cette acquisition là. Pour vous situer un petit peu, là on voit mieux, sur la partie gauche, on peut trouver, c'est là que se situe la maison qu'on appelle de l'abbé Bristow. Vous baissez un petit peu la main, voilà, c'est ça. C'est la maison qui a été acquise en même temps que la partie espace vert et qui sera amenée à être vendue une fois les travaux faits, évidemment, parce que finalement, l'acquisition de cette maison a été faite, mais a peu d'intérêt à l'avenir pour la commune, quoi. Donc voilà, le lancement d'appel d'offres pour les démolitions a été fait en décembre. Voilà, donc le début des démolitions est prévu à peu près à la mi-mars, quoi. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail de ce projet, là on est sur la partie gauche de l'église, dans l'aménagement du cheminement. Donc en partant du haut finalement, donc on a le parking de la supérette, enfin on voit tout juste le coin. Donc on fait une acquisition du bout du jardin de monsieur Moreau qui permet de descendre le long de l'église. Et donc on va lui recéder 90 mètres carrés sur l'espace. Voilà la surface, marquée surface. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la partie qui va être recédée à monsieur Moreau pour qu'il puisse avoir un jardin intéressant à son niveau. Donc la partie cheminement, bon, c'est la partie qui est plus marron. En vert, c'est plus végétalisé. On a également, on situe justement le curseur, c'est la partie de jardin qu'on va laisser avec la maison, qu'on va appeler la maison de l'abbé Bristow, finalement, qu'on va pouvoir revendre après. Donc on a souhaité lui laisser un petit peu de terrain pour donner de la valeur, une valeur marchande à cette maison lorsqu'on voudra la céder. Donc on descend un petit peu encore et puis finalement sur le cheminement piéton on imagine donc les toilettes publiques qui se trouvent quasiment en bas de la figure qui voilà le parti hachuré, voilà c'est ça, les toilettes sont là et puis le chauffage gaz, on va enterrer la cuve gaz du chauffage de l'église pour une question plus esthétique, on a la place de le faire donc on le fait à cet endroit là. Voilà, donc pour dire à peu près, en termes de stationnement, parce que c'est écrit là, je vois, en termes de places existantes de stationnement, aujourd'hui on a 41 places de stationnement. Donc, une fois le projet est mis en place, on ne perd, entre guillemets, que 4 places, quoi. On a essayé d'optimiser au maximum le stationnement, tout en l'empêchant devant l'église, pour que ce soit plus esthétique. Donc ça réorganise complètement le stationnement, finalement, en fait, sur l'ensemble du projet. Voilà pour cette partie-là. Concernant la partie, donc on descend un tout petit peu, vous voyez, donc on arrive devant l'église, on prévoit la création d'un parvis, un parvis sur deux étages en fait, qui soit plus esthétique avec un système de pavés granité, donc qui soit plus joli, avec un système d'emmarchement et d'un accès PMR par la droite, puisqu'on arrive quand on se situe à droite du parvis, en fait on est à un niveau zéro, donc ça permet de ne pas avoir d'emmarchement pour l'accès. Et puis concernant la voie de circulation se trouve déplacée en fait, puisque finalement, lorsqu'on suit les traits violets qu'on voit, ça c'est la route aujourd'hui qui est existante. Hein. Donc la route suit en parallèle le bâti qui se trouve en bas de la figure. Et donc finalement l'idée c'est de mettre la voie de circulation parallèle au fronton de l'église.
et ça permet de laisser un espace entre la route et le bâti pour des questions d'esthétique et de sécurité, en fait, quoi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. C'est ça l'aménagement imaginé à cet endroit-là. Voilà, donc du stationnement qui se trouve un petit peu éparpillé, où j'ai envie de dire où il y a de la place. Bon, il y a devant les maisons, certaines perpendiculaires à la voie, d'autres en parallèle. Et puis, imaginez, donc si on prend le passage piéton qui se trouve un petit peu à gauche, le prolongement, lorsqu'on descend, on tombe sur la rue des Orchidées. Aujourd'hui, c'est une petite rue qui est très étroite, qui est évidemment à sens unique. On a imaginé de la mettre piétonne. C'est-à-dire qu'il y a deux rives, hein, sur cette long de cette rue-là, mais leur accès garage, leur accès voiture se fait par l'arrière, en fait. Et donc, on a souhaité la mettre piétonne pour avoir une cohérence avec le cheminement piétonnier qui remonte jusqu'à la supérette. Et pour tout vous dire, pour ceux qui connaissent un petit peu la Neuvy, lorsqu'on débouche dans le bas de la rue des Orchidées, on arrive à l'école. Et donc ça nous a semblé cohérent d'avoir un cheminement piétonnier facile entre la supérette, l'église, la mairie et l'école. C'est un projet d'ensemble, voilà. Bon. Alors voilà une image virtuelle qui pourrait nous donner une idée de ce que ce sera demain. Alors en médaillon, on a la place actuelle, hein, qui est grise. Alors là, vous voyez, une fois les aménagements faits, ça y est, le ciel est bleu, il y a du soleil. Ça change tout, hein. Et donc, avec le système de parvis, donc après, il est peint en vert, hein, le parvis. Bon, ça sera pas enherbé, hein, ça sera granité. Mais c'est ça l'idée, avec l'accès PMR de l'église par la droite. Et puis sinon, un système d'emmarchement qui est dégressif parce qu'on a une pente de terrain naturelle qui est existante. Et puis on aperçoit le cheminement qui se dirige vers la supérette à gauche, là, un petit peu. Et puis les toilettes publiques qui se trouvent juste relativement visuelles. Voilà. Donc on voit que ça permet de mettre en valeur complètement l'église par rapport à ce qu'on peut imaginer sur l'existant aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc plus loin, c'est quelques photos qui permettent de voir un petit peu le type de revêtements qui pourront être faits. Hein. Donc des parvis en granit. Bon, ça c'est des photos prises ailleurs. Des styles de chemin en sablé. Et puis concernant la rue des Orchidées qui va être piétonne demain, on imagine un système de pavés plus ou moins enherbé. Donc ça c'est un exemple qui est donné, qui a été pris. Je ne sais pas où d'ailleurs, mais bon, peu importe. Ça reste à ça, dans ce profil-là. Voilà. Concernant le planning des travaux, donc je vous ai dit, travaux de déconstruction donc prévus à peu près à la mi-mars. Suite à ça, on enchaîne des travaux d'assainissement, puisque finalement, on a une petite partie sur la rue Abbé Florent, la rue des Orchidées, qui est encore en unitaire, donc évidemment c'est l'occasion de remettre nos réseaux séparatifs au bout du jour. Et puis après, à la suite de tout ça, évidemment, les travaux d'aménagement de voirie qui vont s'enchaîner, avec un peu d'éclairage CML évidemment, et puis après, donc c'est des travaux qui vont nous emmener à peu près à la fin d'octobre, pour des travaux, des gros œuvres. Puis après finalement, les aménagements immobiliers, ça nous laisse, ça sera plutôt en fin d'année. Donc, quand on voit ces travaux-là, on imagine qu'il y aura forcément des conséquences pour la circulation. Ça, c'est un des points qui a été abordé encore très récemment. Savoir comment est-ce qu'on peut organiser les déviations de nos véhicules. Alors, c'est vrai que lorsqu'on sera en travaux devant l'église, on peut facilement dévier sur la petite rue qu'on appelle la rue de la Martinière, à gauche de la mairie. Mais lorsqu'on sera en travaux devant la mairie, ça suppose mettre un système d'alternat de feu sur la rue, alors la rue François Cougoul, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais on peut imaginer que du chamboulement de circulation pourront aller de début avril à fin octobre, pas forcément en continu, mais par période assez régulière, quoi.
Donc tout ça conjugué avec des travaux qui sont au centre-bourg à Saint-Lézin en ce moment et qui vont s'étaler sur une bonne partie de l'année aussi. Donc la circulation va être pas mal chamboulée pendant l'année 2022. Bon, on va faire notre mieux pour répondre au mieux aux besoins de nos habitants, mais c'est clair que ça va chambouler un petit peu nos habitudes. Voilà. Ces travaux-là ont été... Alors oui, je tenais quand même à vous présenter ça. Ça, c'est un croquis. Donc on a, pour ceux qui connaissent, Yann Le Goëc, illustrateur à Neuvy, c'est son métier, nous a gracieusement fait des croquis pour présenter à la réunion publique, pour nous projeter un petit peu dans ce qu'aura pour être notre centre-bourg demain. Donc voilà, donc le croquis d'en haut, c'est vue de la mairie, vue de l'étage. On voit la voie de circulation avec qui s'écarte évidemment, on voit bien du bâti à gauche et qui suit en parallèle le fronton de l'église. Et puis sinon, les deux autres dessins nous donnent une idée de ce que pourrait être l'église vue de face ou vue de la rue des Orchidées, quoi. Donc ça permet, c'est vrai que c'était très apprécié lors d'une réunion publique, lorsqu'on présente un projet, mettre des plans à plat, pour ceux qui connaissent peu le projet, c'est pas très parlant, le mieux c'est d'avoir un visuel 3D pour se rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner demain. Nous c'est un projet nous on trouve ça super, génial, ça fait un petit peu qu'on est dessus quand même, puisque finalement on a travaillé dessus courant 2019 avec l'ancien mandat, bon 2020 c'est une année un petit peu au ralenti pour plein de raisons, on a recommencé à plancher dessus avec le conseil consultatif début 2021, c'était le bon moment de le faire et puis c'était un bon sujet pour imprégner nos nouveaux conseillers consultatifs sur un projet concret. Et ça, c'est super intéressant. On s'est rencontrés plusieurs fois au-delà des conseils consultatifs organisés. On a fait 2-3 réunions avec nos conseillers pour qu'ils apportent leur idée. Je voulais qu'ils s'imprègnent bien de ce projet et pour que les idées de chacun soient retenues. Voilà. Et donc, on a fait une réunion publique courant novembre avec... Alors donc, il y avait beaucoup de riverains, évidemment, beaucoup de retours positifs suite à cette réunion-là, quelques interrogations, c'est normal, quelques inquiétudes par rapport aux travaux qui vont générer quelques nuisances, ça je l'entends, on va essayer de faire de notre mieux. Donc, pour vous dire, ce projet a été monté en lien avec le bureau d'études Pragma, Christophe Piton, qui nous accompagne dans ce projet-là, quelqu'un de très, très professionnel. Et puis sinon, c'est Cécile Bernardoni, qui est coordinatrice pour nos projets de la commune, qui nous accompagne également. Et je voudrais en même temps... souligner le professionnalisme et la réactivité de ces gens-là, notamment Cécile. C'est agréable de travailler avec des gens comme ça qui savent répondre rapidement à nos besoins et qui savent écouter. Quoi. Voilà, vous avez peut-être des questions autour de ce projet. Pour nous, c'est un sujet passionnant. Maintenant qu'on l'a travaillé, trituré depuis 2 ans, on n'a qu'une envie, c'est qu'il prenne forme. Voilà, c'est au mois de mars, c'est demain. Oui. Alors le budget alloué pour ça, c'était 543 000 euros, me semble-t-il, qui est alloué à ça. Donc finalement, il y avait eu l'acquisition, l'acquisition de la maison et puis du terrain pour 63 000 euros. Donc c'est une maison qui va être mise en vente une fois les travaux terminés. J'espère que ça va lui donner un petit peu de valeur, le fait d'avoir un extérieur revalorisé. C'est un projet qui a fait l'objet d'une demande de DSIL. Je crois que c'est autour d'un petit peu plus de 120 000 euros qu'on a été alloué autour de ce projet-là. Voilà. Donc en termes de budget, ça tourne autour de ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai dû être complet, sans doute. Ça vous suscite un peu de... Ah bah ça, Justine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vivement l'inauguration, c'est vrai que... Mais ça viendra. Mais il y a plein d'étapes à passer avant. Mais je vous assure que c'est... des projets comme ça dans une commune,
On en fait peut-être tous les 20 ans, 30 ans, enfin, j'en sais rien. On en mesure toute l'importance. Et là, je ressens vraiment l'attente des gens. Ça y est, on leur a expliqué, on leur a présenté. Je pense qu'à chaque fois que je traverse le bourg, on me dit, mais au fait, tes travaux, ça commence quand là? Parce que on entend parler depuis longtemps, mais il se passe rien pour l'instant. Mais je dis, mais voilà, ça va venir. C'est mes travaux, voilà, c'est ça, je vais tout faire tout seul. Donc, non, mais c'est ce qu'on entend. Voilà. Super Christian, merci. On comprend tout l'intérêt finalement de partager un projet comme celui de la place de Neuvy-en-Mauges, notamment pour les conseillers et l'ensemble de l'équipe, parce que finalement ça fédère aussi autour d'un même projet, mais aussi, et tu l'as dit, de la population, comme quoi on a toujours intérêt à être assez attentif à permettre finalement ce dialogue pour un tel projet. D'autant plus que, Christian, tu l'as dit, c'était un projet de, c'est peut-être un projet de 20 ans, voire de 30 ans à Neuvy-en-Mauges. Donc, tant qu'à faire, autant le partager au mieux dès le départ. Merci, Christian, pour ta présentation. Je pense qu'on peut remercier aussi Yann pour sa présentation donc et son dessin. C'est vrai que ça permet finalement de se visualiser dans cette place de Neuvy-en-Mauges dans un an, on pourrait presque dire, ou plutôt peut-être au printemps, je pense. Merci, Christian. On débute donc cette réunion de conseil et peut-être en préambule, et peut-être pour permettre à chacun de pouvoir être à sa place. Bonjour Yann. Je voudrais en profiter de ce début d'année pour vous transmettre et vous offrir tous mes vœux. Des vœux pour vous et tous vos proches, naturellement. Des vœux de santé, des vœux de bonheur, mais aussi des vœux de réussite dans vos projets. Vous l'avez naturellement subi, comme moi j'ai pu le subir. Le Covid nous a encore volé cette année, une fois de plus, donc nos cérémonies de vœux. Et nous en sommes tous déçus. Je me souviens encore d'une remarque, notamment de Fanny, autour de cette manifestation qui lui tenait tant, comme à chacun d'entre nous, naturellement, pour pouvoir avoir contact avec notre population. Et je voudrais profiter de ce moment pour vous associer peut-être aux vœux qu'on pourrait transmettre ce soir donc à notre population. Et en l'occurrence, je pense d'abord peut-être aux plus fragiles et à nos aînés, à qui on souhaite naturellement la santé, mais aussi peut-être une année 2022 douce, peut-être apaisante, qui permette finalement à toutes ces personnes de profiter de cette année 2022, peut-être comme une année de transition au regard de cette situation sanitaire. Et je voudrais saluer le travail que Sophie Bidet, en lien avec Anne Rachel, nous a construit autour de cette fin d'année avec ses petits colis, notamment pour nos aînés. Je voudrais aussi penser à tous nos bénévoles des associations, leur souhaiter finalement de pouvoir profiter d'une énergie débordante pour animer leurs équipes et permettre finalement de pouvoir avoir une activité dense, espérons-le, pour cette année 2022. Et je voudrais saluer le travail de Justine, notamment, qui s'attache à avoir une proximité au regard de chaque bénévole, mais aussi l'attention de chaque maire délégué. Et je voudrais saluer votre travail auprès de nos bénévoles, naturellement, pour nos maires délégués. Je voudrais avoir une pensée aussi pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs, et leur souhaiter une très belle année 2022 et notamment une année de réussite qui pourra permettre peut-être d'oublier les deux années que nous avons passées. Je pense naturellement aux restaurateurs et tous ceux qui sont dans l'événementiel et qui ont subi naturellement cette situation, en lien naturellement avec Mauges Communauté qui porte cette compétence.
Je voudrais avoir une pensée aussi pour nos demandeurs d'emploi et leur dire combien nous sommes attachés naturellement à ce qu'ils puissent retrouver le chemin du travail pour eux, leur épanouissement, mais aussi pour la collectivité et la société. Ça semble important et je voudrais mettre en évidence peut-être le travail que va mener Gérard Lefebvre en lien avec Dimitri Raguin pour peut-être impliquer la collectivité dans un échange qui pourra être celui de mettre en relation donc nos entreprises et nos demandeurs d'emploi. Une pensée naturellement pour ceux qui nous sont chers et qui sont aussi notre avenir, nos jeunes, et leur souhaiter plein épanouissement dans leurs études et leur souhaiter vraiment une attache particulière à pouvoir construire leur avenir. Enfin, je voudrais vous associer pour souhaiter tous nos vœux à l'ensemble de notre population et des vœux naturellement de bonheur, de vivre ensemble à Chemillé en Anjou, chose qu'on essaie au quotidien dans les démarches qui sont les nôtres autour de cette équipe. Enfin, j'aurais peut-être un dernier vœu, celui pour notre équipe municipale. D'abord, qu'elle puisse porter les projets qui étaient ceux de notre campagne. Et puis peut-être qu'on puisse, chacun d'entre nous, avoir peut-être l'ambition, la volonté de faire que chacun de nos débats soit au service de notre population seulement. Et de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer en toute liberté, mais à chaque fois dans le sens commun, celui de la collectivité. Et je voudrais terminer... Et je souhaite vraiment, finalement, qu'on puisse tous ensemble avoir la même ambition pour notre belle collectivité et ses habitants. Et seulement vous dire notre collectif, la richesse de vos projets. Je vous remercie de cette attention. Il me semblait important de pouvoir ensemble témoigner auprès de notre population, au regard de cette nouvelle année, tous nos vœux très chaleureux. Voilà. Avant de débuter ce conseil municipal, j'ai juste oublié, je m'en excuse dans mon avant-propos, c'est de saluer aussi tous nos vœux à nos collaborateurs par l'intermédiaire donc de notre directeur des services Thierry Lebouge. Et je vous transmets aussi à vous tous bon épanouissement sur la collectivité. Très bonne santé et je pense à un petit message qui m'a été transmis en soirée, à qui m'a fait vraiment plaisir et vous dire combien on attache beaucoup d'importance à travailler avec nos collaborateurs. Merci à vous pour votre engagement. Voilà, on débute cette réunion de conseil pour cette première de l'année 2022. Et puis, je voudrais d'abord choisir donc un secrétaire de séance. Et on aura la chance et les pouvoirs juste avant, mais on les fera juste après, Nathalie. Je pense pas que ça pose vraiment beaucoup de problèmes, mais ce sera Laurent qui aura la chance de pouvoir, être le secrétaire de séance donc, pour cette première année, première séance de l'année. Donc, en pouvoir, effectivement, on a Madame Marie-Joseph Courant qui donne pouvoir à Odile Tijoux, Christophe Caillot qui donne aussi pouvoir à Odile Tijoux, Nathalie Bourigaud qui donne pouvoir à Christophe Gourdon, Raphaël Traîneau qui donne pouvoir à Amélie Olivier, Virginie Pascot qui donne pouvoir à Annick 19. Laurence Thomas qui donne pouvoir à Christelle Barbeau. Peggy Bossard qui donne pouvoir à Isabelle Petier. Thomas Tremblay qui donne pouvoir à Christian Pézot. Corinne Bloco qui donne pouvoir à Fabien Grélier. Francis Beaupel qui donne pouvoir à Laurent Messin. Catherine Leloup-Cotin qui donne pouvoir à Laurent Girard. Gérard Lefebvre qui donne pouvoir à Jean-Claude Corvoyer. Magali Fourage qui me donne pouvoir. Brigitte Lebert qui donne pouvoir à Dimitri Raguin. Et voilà pour les pouvoirs.
Et nous passons à la première délibération pour l'approbation du procès-verbal donc de notre dernière séance de 2021. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Eh bien, écoutez, si toutefois on n'a pas d'observation, je vous invite à l'approuver. Merci, Nathalie. Je vous invite à l'approuver. Alors, 57 voix. On va bloquer le vote. Donc pour cette délibération, je vous remercie. Pour cette troisième délibération, elle concerne la garantie d'emprunt auprès donc de l'établissement que nous connaissons tous, l'Alami. Vous dire, l'établissement a renégocié ses prêts. Nous avions déjà garanti l'ensemble des prêts contractés à l'époque. Vous savez que la collectivité est généralement sollicitée donc pour pouvoir apporter une caution donc pour notamment des investissements concernant le service public. Par rapport donc à cette démarche, vous avez eu donc une note assez explicative, il me semble, montrant toute la possibilité de la collectivité, naturellement au regard de son budget, de pouvoir cautionner ses emprunts. Et nous sommes naturellement contraints par un montant maximum qui est, vous l'avez vu donc aussi dans la note, n'est pas atteint et bien loin de cela, parce que nous sommes vraiment sur des montants qui sont naturellement assez importants dans leur montant, mais assez faibles au regard de la possibilité qui nous est permise. Voilà, si toutefois vous avez des questions au regard de ce cautionnement, qui pour les premiers, notamment l'IME de la Monnerie, c'est un prêt à hauteur de 742 000 euros. En ce qui concerne le deuxième financement pour le foyer Le Gilbertin, nous sommes sur un montant de 3 298 000 euros pour l'arrondir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Laurent? Laurent, oui. C'est juste une précision parce que je ne sais pas si ça a une grosse importance, mais je le dis quand même. Dans la délibération, on parle du livret A et donc du plus 0,90 en plus. Et le taux du livret A a changé depuis. Donc est-ce qu'il ne faut pas indiquer le nouveau taux du livret? Ouais. Il me semble que le taux du livret A doit changer au 1er février, en l'occurrence, et que la délibération... D'accord. Acté donc permettra finalement l'obtention d'un taux plus modéré au regard de cette évolution. Je ne cache pas que malgré finalement l'ensemble des dispositifs qui pourront être pris, inévitablement ce sont les différentes négociations au sein donc de l'établissement bancaire et puis de l'Alami qui ont permis finalement d'établir les clauses qui permettent finalement d'avoir ou pas ces évolutions. Pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est la date de notre délibération qui permettra de faire foi auprès de l'établissement bancaire et notamment de l'Alami. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si toutefois vous en êtes d'accord, je vous invite naturellement à délibérer positivement en faveur donc de cet établissement qui nous est cher. Gérard Lefebvre serait là, je lui aurais laissé la parole. Peut-être Anne-Rachel, si tu veux apporter quelques éléments, mais on en est tous convaincus, c'est un établissement important pour le Chemillois. Nous sommes à 56, nous pouvons peut-être bloquer. Eh bien, je vous remercie pour l'établissement. Ça me semble important de pouvoir apporter notre contribution forte auprès de cet établissement. Voilà. Pour la quatrième délibération,
nous sommes sur une délibération à l'égard des locations de salles qui avaient été à l'époque réservées et qui n'ont pas pu être utilisées dans ce sens où la situation sanitaire ne permettait pas d'avoir l'animation souhaitée par les personnes qui l'avaient louée. Au regard de cette situation, il nous a semblé important de pouvoir rembourser l'avance qui avait été réalisée par cette réservation. Et en l'occurrence, je vous demande la possibilité de pouvoir rembourser les personnes qui avaient donc fait l'objet de cette location. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous en êtes d'accord, je vous invite aussi à délibérer positivement. On peut bloquer. Je vous remercie pour eux. 59 voix pour. Pour le prochain point, c'est donc Salette qui nous apportera donc les éléments nécessaires au débat. Alors du coup, donc on va partir sur la présentation du diaporama pour vous donner des éléments complémentaires. Donc voilà, c'est une information en fait dans un premier temps et ensuite je vous proposerai d'avoir un échange sur ce sujet-là. Donc ça concerne la protection sociale complémentaire, donc sur ces deux volets, santé et prévoyance. Et ça fait suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et de l'ordonnance du 17 février 2021, où l'objectif, tout simplement, est de pouvoir en arriver en fait au même fonctionnement que dans le privé, en mettant en place une participation de l'employeur sur la complémentaire santé et prévoyance. Donc ici, voilà, vous avez un peu le sommaire de l'échange. Donc il y a toute une partie d'abord informative où je vais revenir sur les possibilités de souscription, sur aussi redéfinir un peu la protection sociale complémentaire, sur son volet santé et sur son volet prévoyance, avec les différentes situations, par exemple pour la prévoyance de perte de salaire en cas de congé pour raison de santé, ou au niveau du risque santé, donc tout ce qui est complément de remboursement de la sécurité sociale et des enjeux. Pour la prévoyance, donc je reviendrai sur les objectifs, les moyens, les trajectoires, mais aussi et surtout sur des chiffres qui sont liés à la collectivité pour aussi vous expliquer ce qui est aujourd'hui mis en place dans notre collectivité pour la prévoyance. Pour ce qui concerne la santé, donc on reviendra sur les objectifs, les moyens et les trajectoires, et puis aussi sur quelques éléments de projection financière, avec ensuite des points de vigilance autour de tous ces questionnements. Et puis, on pourra ensuite échanger sur ce sujet. Voilà. Donc, du coup, les principes généraux de cette loi, c'est qu'effectivement, comme je disais en préambule, on est sur une obligation pour les employeurs publics territoriaux de participer au financement de la protection sociale complémentaire, tant sur le volet santé que sur le volet prévoyance. Dans ce cadre, on nous demande de faire un débat, donc sans vote, mais un débat, donc avant le 18 février, donc au niveau des assemblées délibérantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, on vous présente toutes ces informations. On souhaite, et c'est important, de vous informer sur les enjeux, sur les objectifs, sur les moyens et sur la trajectoire. Donc, en matière de protection sociale, donc en fait, on a plusieurs possibilités sur les contrats qui peuvent être souscrits. Donc, soit on peut partir sur des contrats collectifs. Les contrats collectifs peuvent être portés soit par la collectivité, et dans ce cas-là, effectivement, c'est plutôt le service RH qui doit gérer toute une procédure de consultation, avec bien entendu le respect des principes de la commande publique. Et je pense que vous le savez, c'est des démarches qui peuvent être assez lourdes et assez complexes. Donc on a aussi la possibilité de souscrire à un contrat collectif, mais par l'intermédiaire du centre de gestion. Et quand on fonctionne avec le centre de gestion, c'est lui, du coup, qui, de façon regroupée, va reprendre toutes les demandes de toutes les collectivités du Maine-et-Loire, ce qui lui permet, du coup, de proposer souvent des tarifs qui vont être mutualisés et possiblement plus intéressants. Et du coup, ça nous permet à nous, collectivités, de nous affranchir d'une procédure qui reste malgré tout assez complexe. Aujourd'hui, il y a encore la possibilité d'une adhésion individuelle des agents sur des contrats labellisés.
Après, je ne vous cache pas que par rapport à ce qu'on peut voir dans ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la fonction publique d'État, il est fortement possible qu'on nous invite à partir sur des contrats collectifs. Et donc, il faudra sans doute qu'on réfléchisse, du coup, effectivement, est-ce que c'est pris en charge par la collectivité ou est-ce qu'on va plutôt sur le centre de gestion ? Donc, les principes généraux. Donc, je pense que ça, c'est des éléments que vous avez, mais c'est important de pouvoir repartir dessus, puisqu'il y a des petites nuances au niveau de la fonction publique. Donc, en tout cas, sur la protection sociale complémentaire, on a deux volets, comme je vous disais tout à l'heure, le volet santé et le volet prévoyance maintien de salaire. Sur le volet santé, donc la complémentaire, elle vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie, un accident, pris partiellement en charge ou non par la sécurité sociale. Sur le volet prévoyance, c'est vraiment la notion de maintien de salaire qui est mise en avant quand, par exemple, il y a une perte de salaire ou de retraite qui est liée à une maladie, à une invalidité ou à une incapacité ou à un décès. Donc là, des éléments sur ce qui se passe au niveau du risque prévoyance. Donc on a plusieurs solutions. Alors là, on est sur ce qui se passe pour les fonctionnaires, en fait, dont le temps de travail est supérieur à 28 heures. Ces fonctionnaires sont affiliés à la CNRACL. En fait, c'est le régime spécifique de la fonction publique. Donc, dans ce cas-là, pour ces agents, donc on a trois risques, en fait, soit le congé de maladie ordinaire, le congé de longue maladie ou le congé de longue durée. Quand on est dans le premier cas, l'agent va bénéficier en fait de 3 mois à plein traitement. En fait, la collectivité doit continuer à payer en fait l'agent. Et donc ensuite, il a 9 mois à demi-traitement. C'est ce qui se passe en fait, c'est le système de base. Sur le congé longue maladie, on a 1 an à plein traitement et 2 ans ensuite à demi-traitement. Pour le congé de longue durée, l'agent aura 3 ans de salaire à plein traitement plus 2 ans à demi-traitement. L'idée de la prévoyance, c'est de venir maintenir le salaire de l'agent. Donc, par exemple, pour vous donner quelque chose d'un peu plus concret, imaginons un agent qui souscrit un contrat de prévoyance pour un maintien de salaire à 70%. Et bien sûr, si on reste sur la première ligne, et bien au lieu d'avoir 9 mois à demi-traitement, s'il a choisi 70%, la prévoyance va venir abonder à 20% pour qu'il ait vraiment son maintien à 70%. Après, les agents, en fait, ils choisissent la hauteur de leur cotisation, en fait. Voilà. Okay. Ensuite, donc effectivement, pour les contractuels ou fonctionnaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures, ils sont, eux, sur le régime général de la sécurité sociale. Donc, les choses sont un peu simplifiées. On est soit sur un congé de maladie ordinaire, soit sur un congé de grave maladie. Et après, le fonctionnement à l'intérieur reste similaire, avec donc un maintien de salaire sur les 3 premiers mois à plein traitement, puis 9 mois à demi-traitement. Pour le congé de grave maladie, on a 1 an à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement, déduction faite des indemnités journalières qui sont versées par la CPAM. Et là, pareil, donc l'agent, à travers un contrat de prévoyance, va pouvoir avoir un maintien de salaire plus important que le demi-traitement. Donc ensuite, sur ce qui concerne la santé, la complémentaire, effectivement, vient simplement compléter les remboursements qui sont faits par la Sécurité sociale. Je pense que ça peut parler à la plupart d'entre vous. Donc sur les frais médicaux courants, que ce soit médecin, pharmacie, laboratoire, sur les frais d'hospitalisation, sur les frais d'appareillage et de prothèses, optique, dentaire, auditif, donc en fonction des options qui sont proposés par les complémentaires. Et puis, éventuellement, on voit qu'on a de plus en plus de complémentaires santé qui proposent aussi d'intervenir sur d'autres frais médicaux ou paramédicaux, comme les médecines douces. Là, on pense aux ostéopathes, par exemple. Voilà. Les traitements ou les prothèses qui sont non reconnus par la Sécurité sociale. Alors, du coup, dans cet enjeu de participation des collectivités à la complémentaire santé et prévoyance, on voit bien qu'il y a des enjeux qui vont être très importants tant pour la collectivité que pour les agents. Donc, le premier des enjeux, en fait, pour la collectivité, c'est d'arriver à être sur un pied d'égalité et le même que le secteur privé
puisque je crois qu'ils sont déjà dans ce cheminement depuis 2016, il me semble. Donc, si on en arrive à ce stade-là, ça va quand même nous permettre une meilleure attractivité et donc favoriser les recrutements. On sait qu'on est un petit peu en tension actuellement au niveau des recrutements. Ça peut aussi effectivement améliorer la performance des agents, puisque ça peut les encourager à une meilleure prise en compte de leur santé. Et aussi, c'est un nouveau sujet de dialogue social et ça va nous permettre de poursuivre les discussions qu'on peut avoir avec le CTCHSCT, notamment sur les conditions de travail et sur les risques professionnels. Pour les agents, ce qui va être vraiment important, l'enjeu crucial de cette complémentaire, c'est de renforcer l'accès des agents à une couverture complémentaire. On sait qu'aujourd'hui, il y a toujours quelques agents qui ne vont pas y adhérer, par souvent soucis financiers ou des choses qui peuvent se situer de ce côté-là. L'idée, c'est que pour eux, ça peut favoriser la reconnaissance. C'est aussi une aide, du coup, le fait que l'employeur participe, une aide non négligeable dans la vie privée des agents. Ça peut aussi renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité et renforcer l'engagement dans le travail. Donc, pour ce qui est de la prévoyance, pour l'instant, la loi de transformation publique, elle prévoit en fait une participation des collectivités à hauteur de 20%. Et on nous demande de mettre cette participation en place à partir du 1er janvier 2025, sur un montant de référence qui sera fixé par décret. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces éléments-là, donc on espère pouvoir les avoir rapidement. Ce que je voulais quand même vous dire, et ce qui me semble vraiment très important, c'est que sur la collectivité, donc sur Chemillé en Anjou, on a déjà mis des choses en place sur cette participation employeur, sur le volet prévoyance. Donc en 2016, la collectivité a commencé à participer à hauteur de 6 euros bruts par mois par agent. Et depuis le 1er janvier 2020, la collectivité participe à hauteur de 12 euros bruts par mois par agent. Et ce, quel que soit le temps de travail de l'agent, et c'est plafonné à un montant de la cotisation de l'agent. Donc pour avoir des éléments un peu plus précis, donc au 1er janvier 2022, on remarque qu'on a 143 agents qui bénéficient de la participation employeur. On en a quand même qui n'ont pas bénéficié de cette participation. On a essayé de chercher un petit peu pourquoi, parce que ça peut nous donner des éléments de compréhension intéressants. Donc pour 24 agents, ça serait plutôt le fait qu'ils soient sur des temps plutôt inférieurs à 20 heures par semaine. Pour 32 agents, c'est plutôt des agents qui sont sur des CDD de moins d'un an. Et puis, approximativement, on pense que quand même, 15 à 20 agents n'adhèrent pas à la prévoyance pour des raisons économiques. Je tiens aussi à dire, ça peut vous donner un élément de compréhension complémentaire. J'ai fait un petit calcul et sur les 143 agents, il y a 46% des agents qui ont un reste à charge qui se situe entre 0 et 20 euros. Donc je trouve que ça signifie que la participation de 12 euros de la collectivité vient vraiment leur apporter une aide réelle. Sur le volet santé, l'obligation sera de participer à hauteur de 50%, donc au 1er janvier 2026, donc effectivement les dates ne sont pas les mêmes pour la prévoyance et la santé, d'un montant de référence toujours qui sera fixé par décret. Cependant, comme pour l'instant nous n'avons pas ces éléments-là, on sait qu'on le mettra en œuvre au 1er janvier 2026 et vous verrez tout à l'heure que le questionnement il est aussi sur est-ce qu'on anticipe ou pas cette mise en œuvre. Pour avoir des éléments d'échange, on a essayé de faire une petite projection financière sur ce que ça pourrait induire. Tout sur le volet santé, tout reste à réfléchir et à construire. Donc, par exemple, si on partait sur une participation de la collectivité de 15 euros par agent,
Donc ça nous ferait, on s'est dit que ça pourrait représenter 200 agents environ. On sait très bien que parfois certaines personnes font le choix d'adhérer plutôt à la complémentaire du conjoint ou autre. Donc voilà, on est parti sur une hypothèse qui serait celle-ci. Donc ça nous ferait un budget annuel de 36 000 euros. Sachant que 15 euros, c'est une participation minimale. Là, on s'est un peu calé sur ce qui a été signé, en fait, là, il y a quelques temps, pour la fonction publique d'État, pour nous donner un angle de vue. Donc, nos points de réflexion sont vraiment sur deux éléments. Tout ce qui va être contrainte budgétaire, comment on peut mettre en place ces éléments-là tout en maîtrisant malgré tout le budget RH. Et puis aussi cette question de temporalité. Donc, nous, notre collectivité, on a déjà mis en place les choses sur le volet prévoyance, pas encore sur le volet santé. Donc, comment on peut avancer vers les échéances de 2025-2026. Voilà. Et du coup, voilà, on a mis deux petites questions pour lancer un petit peu les échanges. L'idée, c'est qu'effectivement, est-ce que vous pensez que ce dispositif... Que pensez-vous de ce dispositif par rapport à la gestion de l'attractivité de nos emplois, dans un premier temps ? Et que pensez-vous d'une éventuelle anticipation des échéances légales ? Et peut-être vous aurez d'autres questions. Donc, voilà. Bonjour. Moi, je suis assez favorable, mais je ne pense pas que ça augmente de façon notable l'attractivité de la collectivité. Les gens qui cherchent un emploi dans la fonction publique, ils vont pas forcément regarder cet aspect-là. Au moment de la quitter, peut-être, mais pas forcément au moment du choix de l'entreprise ou de la structure où ils vont aller. Je suis favorable. Pardon. Christian, rassure-nous, ça ne va pas aller à l'encontre de cette attractivité, Christian. Ça sera un petit plus quand même. J'aurais voulu savoir si pour un agent qui vient de signer un CDI, par exemple, pour avoir accès à ça, est-ce qu'il y a des conditions d'ancienneté du CDI pour avoir... Non. D'accord. Non, mais... Je voulais dire que voilà, je suis assez contente qu'on puisse débattre de ce sujet, parce que dans les secteurs privés, en fait, on n'a pas demandé en fait aux employeurs s'ils étaient d'accord. En fait, l'État a obligé les employeurs à participer. Et là, en fait, on demande à la collectivité, je dirais 5 ans, 6 ans, 7 ans après, il va falloir s'y mettre. Ben, je trouve que c'est normal de s'y mettre. Et heureusement qu'on y réfléchit. Hein, je pense qu'il est plus que temps d'y penser. Merci. Sur la première partie, sur comment est-ce qu'on va, si c'est le centre de gestion ou si c'est nous en direct, je me souviens d'une intervention de Raphaël sur une assurance, je crois, qu'on avait pris, qui était mutualisée avec d'autres collectivités. Et du coup, après, on n'a plus la main sur qui est-ce qui le fait, d'où est-ce que ça vient. On se retrouve un peu prisonnier et si la société ne nous plaît pas, on est coincé. Et du coup, il faut un point de vigilance. Enfin, si ça passe par le centre de gestion, moi, je mets quand même une réserve là-dessus parce qu'on perd, la main un peu. Oui, du coup, en fait, c'est vraiment un jeu d'équilibre. C'est, de toute façon, en fait, les assurances, même si on passe par le centre de gestion, alors je ne sais plus en termes de temps, mais il y a toujours une date de reconduite. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que le si vous voulez, là où pour moi en tout cas l'élément central à notre réflexion, ça sera vraiment l'agent. En fait. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vraiment trouver les meilleures garanties possibles en matière de complémentaire santé pour les agents. Et
Mine de rien, je pense que ça fait partie aussi d'un élément important. Il faut que ça soit aussi un tarif qui soit raisonnable. Donc l'intérêt effectivement du centre de gestion, c'est peut-être de nous aider sur ce volet-là. Voilà. Après, il faudra vraiment qu'on puisse étudier les différentes possibilités. Mais je maintiendrai vraiment une vigilance sur l'intérêt de l'agent en priorité. Oui, bah dans la continuité de ce que vient de dire Fabien, déjà, je trouve que l'exposé est clair et ça nous permet de bien mesurer les différents enjeux, même si on est au début du processus. Le choix qui semble celui de la collectivité, enfin qui semblerait, moi ce que je partage, celui de la collectivité, c'est-à-dire qu'on aille vers un système collectif plutôt que de l'individuel. Donc ça, je suis assez favorable à cette proposition. Alors après, on voit bien qu'il y a des éléments, puisqu'on a, par rapport aux 50% et aux 20%, on ne sait pas sur 50% de quoi, voilà, donc c'est un petit peu compliqué, y compris de pouvoir anticiper. Et puis après, il y a une autre question quand même qui vient alors sur la question de la santé, c'est y compris les différentes possibilités qu'il peut y avoir sur les contrats santé, puisqu'on peut avoir un contrat individuel. Donc là, la participation de la collectivité, est-ce que se fait seulement sur le fonctionnaire, enfin, ou sur le salarié, ou est-ce que c'est un contrat familial? Parce que si c'est 50%, si c'est un contrat familial, bon, le tarif est plus important. Si on prend en charge 50% de cette... moi, je pense qu'il faut aussi qu'on aille vers ça, quoi. Et l'idée, c'est... je pense que même si après, c'est aux organisations des salariés de négocier... il faut qu'on incite, nous, à... Effectivement, c'est intéressant aussi le fait qu'il y ait un certain nombre de salariés qui renoncent à cette possibilité d'avoir un contrat tel qu'il existait précédemment. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de pédagogie, puisque c'est quand même une difficulté pour ces salariés qui n'ont pas de couverture prévoyance, en cas d'arrêt longue maladie surtout. Et donc, quelque part, je pense qu'il faut les sensibiliser sur les risques qu'ils prennent, de ne pas avoir de prévoyance. C'est vrai que tout le monde, en règle générale, on pense pas qu'on peut tomber malade, ou ça arrive, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Donc, vraiment, même si c'est une affaire, c'est vrai que... Donc, le fait que la collectivité participe à la prévoyance, je pense que c'est... effectivement, il faut qu'on aille dans ce sens-là, quoi. Et du coup, effectivement, là, le service RH, notamment sur le volet prévoyance, va vraiment mener, une petite campagne d'information pour les personnes qui n'adhèrent pas, pour pouvoir réexpliquer, en fait, le risque auquel ils s'engagent et peut-être quel intermédiaire ils peuvent trouver ou quel intérêt ils peuvent trouver à adhérer à ce type de contrat. Je suis assez d'accord avec, je suis tout à fait d'accord même avec cette proposition, et j'avoue que je suis assez dérangée ou assez affectée de réaliser que certaines personnes peuvent renoncer parfois à des contrats de prévoyance pour des raisons économiques. Je dois dire qu'on est, comme disait Laurent, ni les uns ni les autres à l'abri de quoi que ce soit. Et quand on n'a pas ce genre de couverture ou ce genre d'assurance, on peut se retrouver dans des situations extrêmement compliquées et extrêmement précaires. Et j'avoue que le fait de pouvoir apporter notre soutien à ces contrats, ça me paraît essentiel. Je suis censurée, moi. Je voulais simplement poser la question par rapport à ce panel, c'est un sondage que vous avez fait auprès des agents, ou est-ce que c'est des suppositions? Et quand je dis supposition, est-ce que les personnes qui ne prennent pas cette complémentaire, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont leur complémentaire de par leur propre conjoint? Parce que c'est vrai que dans la société aujourd'hui, on a beaucoup, de plus en plus, de mutuelles de groupe dans nos sociétés, dans nos entreprises où on travaille. Et après, elle est obligatoire parfois dans cette entreprise-là.
Et c'est vrai que c'est pas négligeable d'y mettre sa famille aussi. Donc je voulais savoir si c'était vraiment de la supposition ou si c'était vraiment du sondage ou... Alors c'est vraiment par rapport à ce que le service RH voit sur le terrain. D'accord. Donc voilà, alors il y a peut-être une petite marge qui reste hypothétique, mais je pense qu'on a quand même une représentation. Donc ça ne peut que confirmer ce que dit Sophie, c'est qu'effectivement ça peut être très intéressant que nous, la collectivité, on puisse aller proposer ce dispositif-là complémentaire. Quoi. Yann. Dans l'idée de communiquer sur ce sujet, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de faire intervenir un agent propre de la collectivité qui a eu besoin de ces services-là et qui vient lui-même expliquer sa situation, s'il est d'accord, en expliquant qu'il a vécu un des problèmes de santé et que grâce à cette prévoyance, ça lui a permis de continuer à vivre d'une façon tout à fait normale. Et c'est cette parole-là qui est apportée par un collègue qui fait que les plus réticents, ils y sont moins. Quoi. Voilà. Donc très bien, je vous remercie. De façon un peu plus formelle, je vous propose que le Conseil donne acte de la présentation sur la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. Et je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Merci Salette pour nous avoir un peu éclairé sur ce sujet. Je voudrais juste retenir une parole, c'est celle que tu as dite, Salette. On essaie de faire notamment pour l'agent. Et je pense que c'est vraiment ce dont on peut retenir ce soir, c'est d'essayer d'être vraiment en lien avec le souhait d'accompagner notre agent. Merci, Salette. Et on passe à la délibération suivante qui concerne le centre social et c'est Anne-Rachel. Donc deux petits mots juste avant concernant l'ALAMI. En fait, je n'ai pas surbondir, mais concernant l'ALAMI, en fait, on a été sollicité pour deux projets. Donc l'un concernant une classe intégrée dans une école inclusive. Donc ce serait une des écoles de Chemillon en Anjou qui accueillerait ce projet. Donc c'est encore à l'étude. Et puis également un CESAD qui serait donc hors les murs et qui serait sur la commune de Chemillé également. Ah, c'est ça, donc service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Voilà, vous dire qu'on est pleinement impliqué et donc engagé auprès de l'ALAMI. Concernant le CEPOM, donc avant de vous lire la délibération, j'aurais voulu faire un petit préambule. Donc c'était un travail qui se fait depuis près d'un an. Donc il y a eu différentes rencontres qui ont été réalisées justement pour arriver à cette présentation ce soir. Donc, des rencontres se sont déroulées avec des membres du bureau du centre social, la présidente donc Frédéric Bondou et puis donc le directeur Benoît Fintin. Et en ce qui concerne la collectivité, bien évidemment Hervé Martin, donc Justine Bazanté, référente, enfin déléguée à la vie associative, les adjoints du pôle des SFP, Solidarité, Famille et Proximité, Romain Martin qui est directeur du pôle, Thierry Le Boulge, DGS et puis moi-même. Voilà, donc l'idée en fait dans ces rencontres qui étaient essentielles, c'était de mieux se connaître, apprendre à comprendre nos fonctionnements aussi respectifs. Donc c'est important entre une association et une collectivité, apprendre à mieux se connaître, ça permet d'avancer favorablement. On a fait aussi le lien entre le projet social du centre social, la feuille de route de la collectivité qui est en lien aussi avec l'analyse des besoins sociaux. Donc ça nous a permis en fait de mieux comprendre, de mieux analyser en fait les contours en fait de la création de ce CEPOM. Et puis bien évidemment ces rencontres ont permis conjointement de définir les objectifs, les résultats et puis les moyens que vous avez pu découvrir dans une annexe que vous avez reçue pour le conseil municipal de ce soir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette convention traduit l'intérêt et la considération de la collectivité sur le champ social, puisque la collectivité aussi, hein, au travers du CCAS, Centre communal d'action sociale, et puis le CEPOM, démontre en fait à quel point elle souhaite s'impliquer sur ce champ social. Et puis vous dire que effectivement le centre social est une association importante pour le territoire, comme vous le savez tous, et donc on souhaite travailler en étroite collaboration au bénéfice des habitants. Voilà, donc c'est vraiment l'objet principal. Et
Un paragraphe a été rajouté dans la délibération que je vais vous faire parcourir rapidement ensuite. Ça concerne le contrat d'engagement républicain. Donc, il est l'obligation, en fait, pour les associations depuis le 1er janvier 2022 de signer pour toutes les associations qui souhaitent bénéficier de subventions publiques ou obtenir un agrément de l'État ou encore accueillir un jeune en service civique. Voilà. Et donc, il y a 7 engagements que vous pourrez parcourir si vous allez creuser le sujet très facilement. En ce qui concerne dans la délibération, donc depuis le février 2019, le centre social est lié à la collectivité. Et donc le CEPOM est arrivé à son terme au 31 décembre 2021. Nous souhaitons travailler à nouveau avec le centre social dans une collaboration forte. Et c'est la raison pour laquelle il y a un renouvellement du CEPOM pour 2022 à 2024. Donc ce CEPOM permettra de répondre aux objectifs suivants. Donc assurer un accueil et un accompagnement de qualité en direction de l'enfance, de la jeunesse, en lien avec les adultes et les familles, permettant l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'ouverture au monde, à l'autre, en complémentarité avec la collectivité. Participer à l'animation et à la dynamisation de la vie sociale et au vivre ensemble sur l'ensemble du territoire en complémentarité avec la collectivité et le CCRS. Et également optimiser l'utilisation des ressources allouées. Donc la collectivité apporte au centre social une aide financière directe et sans contrepartie, suivant les actions, donc une part fixe et une part variable, sous forme d'ouverture de crédit. Cette aide financière, au total, s'élève sur les 3 années du CEPOM de la manière suivante. Alors, pour 2022, part fixe et la part variable, donc un total de 701 790 euros. 2023, 654 948 euros et 2024, 666 790 euros. Dans quelques explications, on pourrait penser que pour 2023, il y a une baisse de la participation de la collectivité, donc ce qui n'est pas le cas. Donc de 2022, 2023, 2024, il y a une augmentation de 1,5% sur la part fixe. Mais à partir de 2022, par rapport à 2023, en fait, on va passer du CEJ, contrat enfance-jeunesse, au contrat à la convention territoriale globale. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce contexte, mais l'idée c'était de vous dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du CEJ, la CAF verse la subvention directement à la collectivité, et c'est la collectivité ensuite qui reverse aux associations. Demain, avec la CTG, les associations percevront directement de la CAF. Donc cette différence, elle est ici. Par contre, la collectivité augmente de 1,5% sa part fixe. Et concernant 2023-2024, il y a l'augmentation de 1,5%. Et puis le différentiel de la part variable, c'est en partie également parce que la collectivité souhaite abonder dans l'augmentation des enfants qu'il pourrait y avoir à l'accueil de loisirs, par exemple. L'idée, c'est que tous les enfants, en fonction des besoins des familles, soient accueillis dans l'accueil de loisirs. Donc voilà pour les grandes lignes des chiffres. Ce travail collaboratif de près d'un an a abouti à un document conventionnel qui vous est présenté en annexe. Il s'agit d'une avancée majeure dans les relations qui lient la collectivité avec le centre social, comme je vous disais tout à l'heure, qui va bénéficier en premier lieu aux habitants, mais aussi à l'ensemble du territoire, à travers la précision du cadre partenarial ainsi défini. La partie en jaune, donc, c'est ce que je vous disais concernant le contrat d'engagement républicain. Est-ce que vous avez des questions ? C'est dans les annexes du coup qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait dans les actions accompagner l'action du conseil municipal de la jeunesse, des jeunes. Et du coup, il n'est pas en place encore. C'est quand est-ce qu'il va se mettre en place? Est-ce que c'est prévu? Voilà. Isabelle. Donc on y travaille. Il devrait se mettre en place pour la rentrée de septembre 2022. Donc on est en plein travail actuellement dessus, sur ce sujet. Comment? C'est que Chemillé-Ville ou c'est... Non, c'est Chemillé-en-Anjou. Toutes les communes seront concernées. Oui, donc moi, c'est juste une question aussi par rapport... on a l'explication sur la baisse de subventions en 2023, quelque part, c'est des fonds qui transitaient, qui étaient subventionnés par la mairie, mais qui venaient de la CAF.
Par rapport aux 650 000 euros ou 700 000 euros, ça dépend de l'année, on touche combien de... Il y a combien qui viennent directement de la CAF? Est-ce que vous pouvez... Alors là, Romain Martin, ici présent, est-ce qu'il y a l'information? Si vous ne pouvez pas me répondre maintenant... Non, mais il n'y a pas de souci, on peut noter et puis pour une prochaine fois. Mais la somme exacte, moi, je ne la connais pas. Tu peux apporter quelques éléments de réponse. Concernant le centre social, on reçoit, je crois, de mémoire environ 120 000 euros pour le contrat enfant jeunesse, pour l'ensemble du contrat enfant jeunesse, donc pour toutes les associations de territoire qui accompagnent les enfants à travers leurs activités. Pour le centre social, je crois que j'ai de mémoire environ 40 000 euros qui est versé pour les accueils de loisirs, de mémoire. Mais et je crois que c'est pas mal ça. Après, ils ont d'autres activités. Mais pour donner un ordre d'idée, si on dit à peu près 50 000 euros, je pense pas qu'on est trop loin. Non, mais c'était juste pour souligner par rapport aux habitants qui pourraient penser qu'on donne trop au centre social. C'est vrai que la collectivité participe, mais il y a aussi d'autres acteurs qui participent au fonctionnement du centre social. Et je pense qu'il faut qu'on continue à développer les actions du centre social et lui permettre, y compris, d'offrir de nouveaux services aux habitants. En fait, ma réponse est maladroite. La réponse est dans la délibération. L'écart entre l'année 2022 et 2023 représente la somme qui était versée au centre social par le biais du contrat enfant jeunesse. C'est ça. Voilà. Non, donc c'était 60 000. Non, mais c'est... Exactement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... Donc je vous propose d'adopter les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens établie avec le Centre social de Chemillois, d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer ladite convention, d'attribuer les concours financiers associés pendant les 3 années de la convention selon les montants et les modalités rapportées dans la convention. La collectivité s'engage à inscrire en 2022, 2023 et 2024 les crédits nécessaires au financement du CEPOM. D'autoriser monsieur le maire ou moi-même à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. On peut passer au vote. On peut bloquer le vote. Alors, pour 62, et puis voilà, merci. Oui, juste rebondir sur cette délibération pour vous dire combien je pense il était important qu'on adhère naturellement à l'ensemble de ces missions qui nous sont offertes par le centre social. Je pense que on a vraiment l'intérêt donc d'une association dynamique sur le Chemillois et qui apporte bon nombre de services auprès de nos habitants. Je voudrais aussi saluer naturellement Anne-Rachel et les adjoints qui ont participé donc à l'élaboration de ce CEPOM, saluer Romain Martin et Thierry Lebouche qui étaient nos premiers collaborateurs pour nous aiguiller sur ce chemin donc de rédaction. Je voudrais aussi naturellement saluer Frédéric Bondou, la présidente du centre social, son directeur naturellement Benoît Fintin, qui ont aussi eu le soin d'apporter une attention particulière donc à cette écriture. Je les remercie pour l'échange qu'on a pu avoir et toute leur équipe, naturellement, avec qui on entretient de très bonnes et de très riches relations. Ça me semble indispensable. Sur le Chemillois, le centre social est naturellement identifié et rayonne aussi. On peut en avoir que le bénéfice. Merci à tous ces bénévoles qui s'animent autour donc de cette association. Et puis maintenant, nous passons donc plutôt au tourisme avec Yann pour 3 délibérations. Oui, merci Hervé, bonsoir à tous. Donc 3 délibérations relativement habituelles et classiques autour de conventions. Donc la première concerne une convention de partenariat billetterie 2021-2022 avec l'Office de tourisme du Choletais, qui permet, comme chaque année, d'encadrer finalement la commercialisation par l'Office de tourisme de vente de billets pour le jardin, avec une commission d'intermédiation à la clé de 50 centimes. Donc sur un tarif de visite libre de 7 euros, ça fait 6,50 pour nous et 50 centimes pour l'Office de tourisme. Pour compléter votre information, je peux dire aussi que c'est pas un gros enjeu, mais c'est quand même intéressant. Ça représente à peu près 100 billets vendus par an. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez des observations? Oui, Laurent. Nicolas. Au premier rang. Merci. C'est vraiment très bien. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est réciproque? À savoir si il y a un accord avec la ville de Cholet. Alors est-ce que c'est réciproque dans le sens où on vend le jardin de Cholet? Non, le qui n'existe pas. Non, il n'y a pas de, là c'est vraiment ponctuel sur un lieu touristique identifié chez nous, mais il n'y a pas la contrepartie pour le moment, enfin ou négocier aujourd'hui. Mais évidemment, ça peut marcher dans tous les sens. Bon, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver la signature de cette convention qui démarre au 1er décembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2022 et puis d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents nécessaires. Allons-y. Donc on arrive, ça bouge plus beaucoup, donc on va bloquer le vote. Donc 60 voix pour, 0 abstention, 0 contre. Merci beaucoup. Ensuite, le point 8, encore une convention de partenariat pour 2022, cette fois-ci avec le CESAM Pays de la Loire. Pour rappel, le CESAM, c'est un organisme issu de regroupement de comités d'entreprise de la région, des Pays de la Loire. Et l'objectif, c'est une sorte de centrale d'achat culture-loisirs pour offrir au plus grand nombre de salariés des offres par les comités d'entreprise ou les comités social et économiques plutôt. Maintenant. Donc ça permet une grande visibilité quand même, parce que pour un abonnement modique de 48 euros par an, on a une inscription dans les dépliants, on est présent sur le site internet, et ça s'appelle le pack communication associatif, et ça permet de mettre en place des actions communes et de communiquer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 8000 CSE concernés. Alors je crois que c'est en France, hein, c'est pas forcément en Pays de Loire, et ça représente 1 million de bénéficiaires. Donc pour 48 euros, on touche potentiellement 1 million de personnes. Donc c'est intéressant. Et voilà, donc c'est un renouvellement pour l'année 2022. Alors là, en termes de flux, je disais une centaine pour l'office du Choletais. Là, on est à peu près à 500 par an. Est-ce que vous avez d'autres... Non ? À ce moment-là, je vous propose d'approuver cette convention avec le CESAM. Je pourrais dire CESAM, ouvre-toi, bien sûr, pour cette convention 2022. On peut placer au vote. La tentation était trop grande. Oui, c'est vrai. Donc on bloque le vote, 61 expressions, 61 pour, merci beaucoup. Et puis la troisième convention, délibération, concerne une convention que vous connaissez bien maintenant, qui concerne le jardin Camille Folia pour un événement qui s'appelle Exposition Art au Jardin, qui se passe du 18 juin au 17 juillet. Et chaque année, donc c'est une sorte c'est une exposition artistique autour du thème expression colorée. Donc expression colorée, c'est des expressions de la langue française, mais qui font appel à la couleur, se mettre au vert ou voir la vie en rose, pour donner quelques exemples. Mais c'est libre, c'est libre choix. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que ça mobilise quand même beaucoup d'acteurs sur le territoire, en premier lieu les écoles, mais aussi des EHPAD, l'IME et le centre social notamment. Et sur les belles années, ça représentait quasiment 400 participants et qui créent des œuvres très intéressantes qui sont réparties dans le jardin. Donc c'est une occasion de visite évidemment,
mais c'est aussi une occasion de mettre en valeur à la fois les créateurs dans leur art et puis aussi dans l'explication. C'est-à-dire qu'il y a une grande fierté des participants à expliquer ce qu'ils ont fait et à accueillir le public. Donc chaque année, c'est une grande réussite. Et là, la délibération, précisément, consiste à fixer une indemnisation forfaitaire pour des frais divers en concurrence de 50 euros et pouvant aller maximum jusqu'à 100 euros en fonction des justificatifs qu'on pourrait donner. Voilà, donc vous avez la liste de tous les établissements concernés et c'est vraiment du rayonnement interne du jardin Camille Folia et un esprit participatif et créatif. Voilà, est-ce que vous avez d'autres... Ah ben c'est absolument toutes les écoles de cheminées en Anjou qui sont sollicitées, c'est sur la base du volontariat. Habituellement, il y a une dizaine, ça peut aller jusqu'à 15 écoles. De cheminées en Anjou, pour ça. Oui, alors c'est d'autres organismes, ce n'est pas forcément des écoles, mais oui, il y a les pattes de la jumelière, de la salle de Villiers, le foyer, le Gibertin. C'est vrai que c'est un peu plus cheminier cette année, mais ça c'était plus élargi peut-être les années précédentes. Mais absolument, c'est ouvert à tous, hein, évidemment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Oui, Florence. Enfin, on clôture le vote d'abord, donc... 61 voix exprimées, 61 voix pour. Merci à vous. C'est par rapport à la première délibération. Est-ce que pourquoi il n'y a que Cholet qui a une convention? Pourquoi il n'y en a pas une avec Angers ou avec d'autres communes autour, en Nantes? Bon, on va dire que c'est historique, mais par la proximité, mais tout est possible. Tout est possible. Bon, voilà pour moi. Merci Yann et c'est Patrice pour l'espace public. Oui. Donc première délibération, donc c'est un fonds de concours CML, donc pour des travaux de réparation qui ont eu lieu donc sur des candélabres à Saint-Lézin, rue de Bellevue et rue du Val-d'Aubance, où là donc il y a des lanternes qui ont été changées. Et au passage, forcément, il a été profité pour mettre des lanternes LED. Donc c'est des travaux qui ont eu lieu en décembre. Donc nous devons passer cette délibération pour le fonds de concours pour donc pouvoir verser les 75% restant à la charge de la commune, donc pour 2 495,80 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ben je vous invite à voter. On va bloquer le vote. Ok, 58 votants, 58 pour. Merci. La deuxième délibération, donc là, c'est une régularisation donc de voirie. À l'occasion des travaux de construction donc de la section d'autoroute à 87 Angers-La Roche-sur-Yon, donc le dispositif de desserte locale donc sur le territoire communal a été modifié. Donc des portions de voirie assurent donc depuis la mise en service au cours de l'année 2002 donc la desserte locale des propriétés. Donc ces modifications ont eu lieu donc au Plessis à Chanzeau, le chemin de l'Argogne à Cheminier, le chemin de la Grande Lande. Donc, c'est ce qu'il convient de faire aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir passer donc une convention pour que ces terrains qui correspondent aujourd'hui à l'assiette foncière donc, de ces portions de voirie, donc, aujourd'hui, ils sont dans le domaine donc, autoroutier, et il faudrait qu'ils reviennent dans le domaine communal. Donc, c'est purement administratif. Donc, on nous demande donc, de passer une convention... entre Vinci Autoroute et la commune de Cheminée-en-Anjou, pour que ces voiries restent bien, donc soient bien donc administrativement dans le domaine communal. Donc ça fait 10 ans, forcément, donc les accès
ont toujours été autorisés depuis, les entretiens ont été autorisés par la commune, là on est purement sur une régularisation administrative. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à approuver donc, cette convention et donc de nous autoriser à signer donc, avec Vinci donc, autoroute. Donc on va bloquer le vote. 60 votants, 60 pour. Je vous remercie. Et puis maintenant, c'est Pascal qui prend la main pour un dossier environnement. Oui, bonsoir à tous. Avis sur le projet d'installation d'un four recyclage de laine de verre sur le site de Isover à Chemillé. Donc là, c'est un dossier d'enquête publique qu'on a. Je l'ai découvert un petit peu comme vous. C'est un nouveau procédé de recyclage de laine de verre qui est assez intéressant et très innovant. Ça s'appelle un procédé SBM. Je vous cite pas le nom en anglais parce qu'il est imprononçable. Je vais vous dire plutôt, c'est un fusion de brûleurs immergés. Voilà, ça m'arrange un petit peu mieux. Alors, en fin de compte, le procédé SBM permet de produire du calcin à partir de rebuts de laine de verre. Ce dernier sera ensuite réintroduit en totalité au niveau des fours de fusion électrique. En tant que matière première, une tonne de calcin est égale à une tonne de composition verrière économisée. Cette filière contribuera à améliorer le cycle de vie des produits finis à base de laine de verre et proposer une filière de valorisation pour la laine de verre usagée issue des chantiers du secteur BTP, principalement dirigée vers les centres d'enfouissement. Voilà, donc après, vous avez toute la partie qui est administrative. Hein. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'enquête publique. Et le premier calcin, normalement, devra avoir le jour au mois de juin 2022. Donc, toute cette montée en puissance se fait en plusieurs étapes. Ils ont trois étapes. Hein. Une première étape qui va durer environ 2 ans, qui est la mise en route de ce four pour voir le fonctionnement. Ils vont utiliser que leurs matériaux à eux. Après, la deuxième étape qui va être 2 ans plus tard, c'est-à-dire de la mise en route d'une forme plus industrielle. C'est-à-dire que de là, ils vont aller chercher des matières de l'extérieur pour les amener dans leur four. Et la troisième étape qui sera entre 2025 et 2020, plus près de 2028 de tête, ça sera vraiment vers une fonction industrielle. C'est-à-dire que là, on va monter en puissance, on va sans doute aller vers une capacité qui sera peut-être doublée. C'est ce qui est écrit dans le cahier des charges, dans le cahier de document d'autorisation qui a été envoyé. Voilà, donc je trouve que c'est un cycle assez, très vertueux, récupérer toute la laine de verre qu'on a sur le territoire et qui n'est pas utilisée ou qui est mise en stockage comme ça dans des dépôts. Je trouve le cycle vraiment intéressant. Pour avoir regardé un petit peu de plus près, j'ai pas pu rencontrer le commissaire enquêteur qui est aujourd'hui en pleine enquête publique. Mais on sait que le procédé n'est pas si simple que ça à mettre en place, et c'est pour ça qu'il cesse du temps pour trouver la manière que ce procédé fonctionne vraiment de la meilleure façon possible pour pouvoir l'industrialiser après. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce? Alors nous, on intervient dans le cadre de l'étude d'impact. Hein. Oui, Laurent. Sur l'objectif, je pense qu'on peut qu'être d'accord. Alors après, il y a les conditions d'exploitation, et c'est sur ça qu'on est amené à se prononcer. Donc il y a dans le rapport sur une question, il est marqué donc qu'il y a des risques au niveau des risques sanitaires qui sont acceptables. Donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc ça c'est une première chose. Après l'interrogation qu'on peut avoir de manière plus générale par rapport à la proximité de l'établissement, c'est bon, il y a un certain nombre de riverains. Donc, et puis il y a aussi la crèche, quoi. Donc, ça aussi, c'est un élément, à mon avis, qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc, voilà un petit peu mes interrogations sur le projet. Et puis, l'autre question, on a été confronté, on l'a vu là, par rapport à l'implantation de l'antenne sur Bellevue. Donc là, il y a une enquête publique qui est en cours, qui vient de commencer. Je pense que la collectivité, elle doit communiquer, y compris aux riverains et puis justement aux gens qui travaillent à la crèche, pour qu'eux, ils se préoccupent de cette question et qu'ils découvrent pas le fait accompli, quoi. Hein, donc je pense que là aussi, il y a besoin
enfin à mon sens, qu'on informe largement la population et surtout les gens qui sont à proximité du site, quoi. Par rapport aux nuisances, tu as raison, mais je pense que des entreprises comme ça sont assez vigilantes sur ce qu'elles vont mettre en place et comment elles vont mettre l'outil en place. C'est une usine quand même d'importance. Par rapport à l'affichage, on est dans une enquête publique, donc il y a déjà de l'affichage automatiquement fait aux zones, autour de la zone. Donc l'affichage a été fait comme quand il y a une enquête publique qui est mise en place. Donc ça, normalement, c'est eux de le faire. Je pense qu'ils l'ont fait, donc ils ont obligation de le faire. Et après, oui, il y a l'enquête publique là, qui est démarrée. Donc c'est chaque personne qui se pose des questions peut venir voir le commissaire enquêteur et lui donnera les réponses qu'il pourra lui donner ou posera les questions directement à l'entreprise au résultat de son enquête publique. Voilà ce que je peux te répondre. Non mais Laurent, on est dans un cadre réglementaire, hein, comme l'a dit Pascal, et en l'occurrence, par rapport à la communication, l'ensemble nécessaire est réalisé naturellement pour que chacun puisse avoir donc connaissance de cette enquête. Hein. Moi je pense que là-dessus, on est plutôt dans un aspect réglementaire des choses. Sur l'aspect environnemental ou sanitaire que tu pointes, Laurent, d'ailleurs dans le rapport, tu as pu le voir, il y a une sensibilité particulière qui a été réalisée au regard de la santé humaine, au regard de tout ce qu'il pouvait y avoir avoisinant donc le site, par rapport à l'incendie et par rapport notamment aux ressources en eau, c'est très clairement écrit dans le rapport, Laurent. Hein. Donc là-dessus, et Pascal et moi, à ce que je sache, nous ne sommes pas, Pascal, encore cabinet d'études qui puisse éventuellement apporter des éléments techniques qui pourraient pointer du doigt un dysfonctionnement. Mais en l'occurrence, à partir du moment où on parle d'une entreprise comme Isover sur notre territoire, tous les éléments ont bien naturellement été mis en condition pour naturellement apporter un avis favorable à ce dossier. Hein. Là-dessus, c'est très clair. Alors, juste pour préciser, bien évidemment que les choses sont faites de façon réglementaire, ça m'apparaît évident. Mais moi, ma demande, c'était qu'on ait, nous, la collectivité, au-delà de la réglementation et de ce que nous demande la réglementation, qu'on ait une information vis-à-vis des personnes qui sont des riverains, qui soient faites par la collectivité. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, j'aurais juste rajouté que aux questions environnementales, on peut s'en féliciter, que là, actuellement, il y a des déchets qui sont enfouis et là, ils vont être recyclés. Donc, c'est vraiment que du mieux pour l'environnement, quoi. Je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. ...56 voix pour, 5 abstentions. Je vous remercie. Point 13. Copropriété, cœur de ville, phase 1, désignation d'un représentant communal. Donc là, comme on vous l'a déjà présenté, on a fait le rachat des bâtiments faits par Ménolard Habitat, la micro-crèche, la maison pluridisciplinaire et la salle commune. La signature a été faite avec, suite à l'acte authentique. Une copropriété va être mise en place. Et là, maintenant, il va falloir qu'on mette quelqu'un qui soit notre représentant dans cette copropriété. Donc là, on vous propose de mettre quelqu'un du service social. On pensait à Anne-Rachel Baudreau. Alors, je ne sais plus, Anne-Rachel, on en a reparlé ensemble. C'est bien toi, c'était c'est bien comme ça. Je ne me rappelais plus ce qu'on avait dit. Non, je croyais qu'on avait parlé de Gérard. C'est pour ça que... Parce que, en fait, c'est une question... pas essentiellement lié à l'action sociale, mais plutôt en lien avec les aînés, l'action sociale, la santé, avec les professionnels qui seront dans la maison pluriprofessionnelle, etc. Donc comme c'était une question beaucoup plus générale d'utilisateur, donc c'est plutôt moi. Donc c'est très bien comme ça. Donc on vous propose de nommer Anne-Rachel Baudreau comme représentante de la commune de Cheminantou, assemblée générale annuelle de la copropriétaire. Y a-t-il des questions ?
Je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. 55 voix pour, une abstention. Je vous remercie. Point 14. Vente un bien immobilier, 41 Geoffroy à la Tour Landry. Donc là, c'est un dossier un petit peu plus différent. C'est qu'aujourd'hui, on a un boulanger installé à la Tour Landry. Monsieur Eddy Léger, qui est avec un bail qui va s'arrêter bientôt et qui a fait le souhait depuis un petit moment de vouloir s'installer en son nom et avec une entreprise à lui. Ce projet n'est pas né d'aujourd'hui, ce projet est déjà né depuis un petit moment. Et là, on a, sous l'ancien mandat, sous l'ancienne collectivité de la Tour Landry, il avait été ciblé un bâtiment qui pouvait convenir, parce qu'on est vraiment dans le travail de recentrer les commerces dans la centralité des bourgs, pour mettre une animation. Donc un bâtiment avait été ciblé, qui avait été préempté et acheté par la commune. À cette époque-là, et là, on souhaitait mettre Eddy dans ce bâtiment. Sauf que quand on a fait tous les travaux d'études de démolition, parce que l'idée était de démolir le bâtiment. Donc quand on a commencé à vouloir faire les études de démolition, on s'est aperçu que le bâtiment était lié à un bâtiment juste à côté, c'est-à-dire que les deux charpentes sont liées, parce que c'est un bâtiment qui est contigu, enfin qui se tient. Il y a deux bâtiments, en fin de compte, mais ils se tiennent l'un avec l'autre. Donc il fallait démonter la charpente. Là, vous le voyez un petit peu. On voit, c'est la première photo sur la gauche. On voit la limite sur la limite de descente. On voit que les deux bâtiments sont liés. Et en voulant le démolir, donc les charpentes étant liées, il y a un mur mitoyen dans le milieu. Le risque était qu'en démolissant, ce qui n'était pas impossible, tout est possible. D'abord, le coût était très important. Un brochet entre les 70 et 80 000 euros. Mais on avait un risque structurel pour la bâtisse, pour le bâtiment qui restait. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui est déjà installé avec une assise sur deux côtés, là, se retrouvait assis un petit peu tout seul. On ne savait pas trop ce qui pouvait se passer dans le temps. Donc ça, c'était vraiment une... Les architectes nous ont quand même mis en évidence cette partie-là. Et donc là, on est revenu vers Eddy Léger en lui expliquant la situation. Mais l'état du bâti fait qu'il est tellement dans un état c'est pas une ruine, mais enfin, l'état intérieur du bâtiment fait qu'on est sur des demi-niveaux, des faux niveaux. Pour arriver à faire de l'accessibilité, c'était compliqué. On le voit très bien sur cette photo-là. Là, vous voyez sur la photo de gauche, c'est le faux niveau. Ce niveau-là est en dessous du niveau de la rue. Mais il va falloir récupérer ce niveau-là pour arriver à l'accès de la rue. Donc, il y a tout un travail qui va être très onéreux. Donc, on a souhaité proposer à Eddy Léger ce bâtiment-là pour garder le bâtiment, parce qu'on n'a pas 50 emplacements à la Tour Landry pour pouvoir placer un commerce. Hein. C'était un des seuls qui restait pour un endroit qui était vraiment stratégique et bien placé, parce qu'on est juste à côté du café et restaurant. Donc, on a proposé de faire une vente à l'euro symbolique sur ce bâtiment-là, qui est une action exceptionnelle. Mais là, dans ce cas-là, on trouvait que c'était le meilleur moyen pour qu'on réussisse à trouver une place pour le boulanger de la Tour Landry, qui aujourd'hui fonctionne très bien. Mais il faut pouvoir le pérenniser. Voilà, l'idée, c'est de le vendre à l'euro symbolique, à la SCI Léger Patrimoine. Juste pour ça, on a quand même voulu un petit peu, je dirais, prendre quelques garanties. Enfin, une garantie, c'est-à-dire qu'on propose de prévoir l'inscription dans la clause suivante, l'acte authentique de cession, un pacte de préférence. On s'est renseigné auprès des notaires, plaçant la collectivité comme acheteur privilégié pour toute revente du bien. C'est-à-dire que ça veut dire que quand Eddy Léger voudra revendre, il ne voudra pas revendre dans un premier temps qu'à autre que la collectivité. On se garde un pacte de préférence. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce bâtiment-là parte pour une autre utilisation qu'un commerce. Là, ça nous permet de garder la main sur ce bâtiment-là et de se dire, l'estimation sera faite par les domaines et on reprendra au niveau du prix des domaines. Voilà, c'était un petit peu pour faire essayer de petit peu de border les choses sur ce bâtiment, hein, pour éviter toute dérive, qu'on se retrouve pas avec une construction et puis là qu'on se retrouve un petit peu embêté dans ce qu'on a signé. C'était pas ce qu'on voulait engager dans un premier temps. Les élus de la Tour Landry, est-ce que Christelle ou autre, tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est dit, c'est bon, merci. Mais tu peux, hein, avec grand plaisir. Donc voilà, y a-t-il des questions? L'estimation des domaines, elle était au prix d'achat 30 000 euros. Voilà.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. D'acheter ce bâtiment à l'euro symbolique. De vendre. Vous aviez tous compris, comme ça tout le monde suit. Je vous propose de bloquer le vote. 61 voix pour. Je vous remercie. Je pense que les élus de la Tour vont vous remercier sincèrement. Point 15. Vente de terrain constructible. Elle a essayé MAE à Saint-Georges-des-Gardes. Là, c'est une vente pour un terrain. Alors, on va peut-être prendre le plan. Une carte. Voilà, l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toute la partie bleue. En fin de compte, il y a à Saint-Georges-des-Gardes, il y a trois, alors je crois que c'est trois, hein, Yann, trois dames qui souhaitent s'unir pour créer une MAM. Et c'était difficile de trouver un site. Et c'est vrai que moi, j'étais plus dans l'idée de plus travailler sur le centre-bourg, mais on ne trouvait pas d'endroit vraiment spécifique dans le centre-bourg de Saint-Georges pour pouvoir les mettre. Et cet endroit-là était assez bien placé, en fin de compte, parce qu'il se trouve sur l'axe Cholet, et aux parents, ça permet d'avoir un accès facile et une sortie facile sur Cholet. Donc là, ce terrain, c'est la partie qui est en bleu, mais la partie qui est entourée dans le rouge, voilà, qui nous appartient et qui va être en vente. Toutes les parties vertes sont des privés qui ont été négociées, vert et, je dirais, marron, qui ont été négociées, et qui aujourd'hui, elles en sont plus ou moins, je pense, propriétaires au jour d'aujourd'hui. Donc il nous reste juste à vendre cette partie-là. Qui fait une surface d'un peu plus de 800 mètres carrés, si je me rappelle bien. Et on propose de la vendre à 3 euros. Alors les 3 euros ne sortent pas du chapeau, c'est-à-dire que les 3 euros, comme on était sur une zone artisanale, c'est le prix qui était fixé pour les zones artisanales non desservies par Mosh Communauté. Donc le montant est de 3 euros. Donc ça fait un montant de un peu plus de 2000 euros de vente de terrain pour 835 mètres carrés. Sachant qu'il faudra qu'elle amène les réseaux, qu'elle amène tout ça, qu'elle fasse son stationnement, elle a tout à faire. Hein. On est sur un terrain nu. Hein. C'est pas viabilisé, non, du tout. Y a-t-il des questions sur cette vente de terrain à la SCI? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. 59 voix pour, une voix contre. Je vous remercie. Point 16. Alors là, je dirais, c'est un avenant. Vente de, vous savez qu'on a déjà passé des libérations de vendre les... je l'appelle toujours la friche caillou. M'excusera Laurent, j'arrive pas à retenir le nouveau nom. Mais de vendre les terrains à un promoteur qui s'appelle le groupe Clémo. On a pris un petit peu de retard dans le dossier. Il y a quelques erreurs dans l'acte, dans l'acte de vente qui sont écrites. Donc on vous demande juste de prolonger l'avenant jusqu'au 31 juillet. Parce qu'il faut savoir qu'en travaillant avec le groupe Clémo, ce qui avait d'intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'il était prêt à travailler avec nous, parce que là, on est sur un site pollué. L'idée était vraiment de travailler l'un avec l'autre pour arriver à économiser, parce qu'on est sur des coûts de dépollution très importantes. Donc, si on faisait toute la dépollution, ça nous coûtait une forme. Et eux, il fallait qu'ils recommencent de leur côté après pour passer les réseaux. Donc là, on a souhaité travailler vraiment l'un après l'autre. C'est-à-dire que là, eux, ils vont passer en premier, passer les réseaux, ils vont dépolluer cette partie-là. Et nous, on va pouvoir dépolluer l'autre partie, tout ce qui est la partie voirie. Voilà, pour un montant estimé autour de 300 000 euros. Mais voilà, c'est juste un avenant pour reprolonger cette date jusqu'au 31 juillet et de modifier les quelques erreurs qui ont été faites dans l'acte, dans la préparation de l'acte. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. 60 voix pour. Je vous remercie. Point 17. Alors, je vais les faire une par une, parce que je pense que si je demande à passer deux délibérations, on va me respecter, mais c'est deux points qui se ressemblent. On a Sainte-Christine. C'est vente 5 rue de la Vendée, et je crois que l'autre, c'est le 7.
C'est juste à côté, mais je sais que c'est juste à côté. Mais voilà, pour vous dire, alors Christophe me rectifiera, mais c'est un projet qu'il y avait avant, sur, je crois qu'il y a une quarantaine d'années, d'élargir la voie sur Sainte-Christine à cet endroit-là. Sauf que le projet est tombé, je dirais, dans les oubliettes et n'a pas été fait. Il a été vendu une partie aux habitants. Et sauf que la partie a été vendue, mais ça n'a jamais été vraiment fait dans les actes. Et on se retrouve maintenant à avoir des constructions faites sur... Bah, c'est de la régularisation qu'on est en train de faire là. Hein. On se retrouve avec des parties qui sont mises sur le domaine public. Sauf que, voilà, il y a une photo qui est assez parlante pour le 5. Voilà, c'est toute cette partie-là donc, qui est du domaine public, mais qui est introduite dans le domaine privé. Voilà, donc... Voilà. Et vous avez l'autre. Ben ouais, je ferai l'autre délibération après parce que c'est plus. C'est, on parle mieux parce que c'est juste au-dessus. Mais c'est la même chose. Hein, c'est une voirie qui devait être élargie mais qui n'a pas été faite parce que le sens de circulation ne le permet pas et qui préfère rester comme ça sur Sainte-Christine. Mais c'est de vieille date. Voilà. Et donc là, on vend une surface, je crois, de 47 mètres carrés à 5 euros. Donc voilà. Et ça fait des montants. De 235 euros, si je me rappelle bien, et voilà. On est dans les mêmes procédures qu'on fait régulièrement hein, pour tout ce qui est régularisation foncière et tout ce qui est déclassement et affectation. Désaffectation. Y a-t-il des questions sur celui-là, sur cette partie-là ? Je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. 58 voix pour, je vous remercie. Et la deuxième chose, c'est le 7 rue de Vendée. Donc c'est la même chose. Là, vous retrouvez les dessins. Là, Nathalie était très vite. Là, on voit toute cette partie-là qui est déjà mise dans le domaine privé. Et voilà, donc il faut bien régulariser ces deux points que vous voyez. Donc là, on est sur des montants. Donc c'est pas d'hier. Hein. Cet effet déjà construit. Donc sur ces deux points-là, on est sur 65 mètres carrés. Comment ? Sur un montant de 5 euros du mètre carré. Voilà. Y a-t-il des questions ? C'est de la régularisation une nouvelle fois. Christophe, une remarque. Il me semble que pour le 7 rue de Vendée, j'ai vu ça vite fait ce matin, il y a une erreur dans les noms. C'est pas les deux mêmes noms. Il y a monsieur et madame Barnier, et puis à un moment de temps, c'est une erreur, une lettre en fait qui change. Mais c'est juste une erreur de frappe, je pense. On vérifiera. Très bien, bonne remarque. Oui, c'est vrai. Y a-t-il d'autres remarques ? Je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. 60 voix pour. Je vous remercie. Point 19. Alors là, j'ai trois. Je vais vous faire qu'une seule présentation, mais on fera sans doute trois votes aussi. Vous savez qu'on a des projets d'envergure qui sont, je dirais, la place du Château, qui sont l'extension urbaine sur Chemillé, la zone de Chizé qu'on appelle, et l'îlot de la Source. Donc c'est des projets qui sont d'envergure qu'il faut qu'on mène assez rapidement. Mais aujourd'hui, on n'a pas les capacités en interne pour tout porter tout ça dans le temps qui nous est imparti. Voilà. Donc on souhaite... on a fait des rencontres avec Alter qui, je prends toujours le terme de bras armé du département, c'est un petit peu... voilà, hein, c'est une SEM, hein, Société d'économie mixte dans le département, qui, elle, est capable de nous aider à porter ces dossiers-là, parce que c'est des dossiers d'envergure. Il faudra recruter du personnel, il faudra lancer des études, bon, même si les études seront en charge, il faudra les suivre, même si la collectivité sera toujours dans le travail de la construction, il faut vraiment qu'on puisse s'adosser. Donc on a souhaité rencontrer Alter à plusieurs reprises, le directeur, M. Bellarini, pour étudier avec lui les possibilités. Donc les rencontres ont été assez fructueuses et on a senti l'envie du département de nous aider sur ces projets qui sont la place du Château, qui sont des projets
assez important d'envergure sur la zone de Gizeh, aussi de développement économique, enfin développement d'habitat qui est assez importante, et sur l'îlot de la Source qui est une, je dirais, l'îlot de la Source qui est une grande partie où là on a un vrai travail de densification, de recherche, d'optimisation de la surface à l'intérieur. Donc il y a un vrai travail à faire. Donc le premier mandat qui vous est demandé, qui vous est proposé, c'est celui de la place du Château. Donc dedans, le descriptif du contenu, il y aura l'analyse du site, hein, les études sur l'habitat, les études de déplacement, les études de valorisation touristique, les études commerciales, les études d'aménagement de la place, l'animation des démarches de la participation du public, les études de faisabilité technique et tout ça. Enfin voilà, c'est un résumé, c'est un condensé que je vous fais. Donc dans tout ça, je vous ai parlé des études, donc il y a un montant d'études qui est estimé à 155 000 euros. Donc ça, c'est bien à notre charge. Hein. Faut pas, c'est pas Alter qui prend. Et par contre, la rémunération d'Alter pour tout ce travail-là est de 25 000 euros. Voilà, ils vont, pour vous dire juste, ils vont embaucher quelqu'un qui va se concentrer sur ces trois études-là. L'emplacement est trouvé, la personne est à peu près trouvée au jour d'aujourd'hui, qui serait capable de porter, donc on aura quelqu'un dédié pour porter ces opérations-là. Je fais les trois présentations, on fera les votes un par un, mais voilà, comme j'y suis. C'est le secteur de Gizeh, donc là on est vraiment dans la même chose du mandat proposé par Alter. Donc là, c'est le secteur de Gizeh, c'est un secteur qui est lié à l'habitat. Donc là, c'est l'analyse des dispositifs du PLU. On a une réunion cette semaine qui était, sur les comment nos PLU vont évoluer. Comme voilà, on a tout un travail à faire derrière qui va nous mettre un petit peu dans la précipitation, mais voilà, on va le faire. Enquête foncière et définition de la dureté foncière, parce qu'il y aura des acquisitions foncières à faire sur cette partie-là. Et là, il y a tout un travail à faire derrière qui n'est pas le plus facile, parce qu'on a souvent des exploitants qui sont sur place et c'est leur outil de travail. Donc il va falloir travailler avec eux de la meilleure manière pour que tout le monde s'y retrouve, que eux puissent retrouver quelque chose qui leur convient et qui puissent continuer leur développement. Donc il y aura après toutes les études, je dirais, hydrauliques à faire, les études de déplacement, les élaborations du parti d'aménagement et sans doute la création d'une ZAC, parce que sur des grands projets là comme ça, c'est la ZAC qui paraît l'outil le mieux, le plus adapté. Et puis après, passera une étude de faisabilité. Donc là, on a des missions qui seront confiées à des tierces pour un montant de 98 500 euros. Et la rémunération d'Alter sera de 15 000 euros. Et pour le mandat d'études proposé sur l'îlot de la Source, donc là, c'est à peu près les mêmes définitions. Hein. On est, c'est toute la rue nationale. Hein. Aujourd'hui, toute cette rue-là, pour vous dire pourquoi on lance cette étude-là, c'est qu'il faut qu'on crée au minimum une OAP, organisation d'aménagement programmé. Aujourd'hui, on l'a mis en périmètre, un périmètre d'attente, c'est-à-dire que quand on a créé le PLU, on n'avait encore pas les moyens d'aller chercher comment on organisait tout ce secteur-là, cette rue nationale. On ne savait pas comment... on avait déjà des demandes de propriétaires privés qui voulaient faire évoluer, mais on n'avait pas la vue générale. Il y a une école, il y a des rues, il y a plein de choses. Donc il fallait vraiment qu'on travaille. Et on a des sorties sur la rue nationale qui sont un petit peu compliquées. Donc il faut qu'on soit vigilant comment on organise tous ces secteurs-là. Et on n'avait pas le temps dans le cadre du PLU. Donc on a souhaité mettre un périmètre d'attente. Le périmètre d'attente, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quelque chose qui nous permet de figer dans un temps le développement, c'est-à-dire pendant 5 ans, on ne peut rien faire, mais il n'est figé sur 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il faut qu'on ait préparé quelque chose, sinon, à partir de ce moment-là, tout tombe, et là, on repart sur les règles du PLU, si rien n'est décrit, eh bien, les gens sont libres. Sauf que là, on veut vraiment créer au minimum une OAP, c'est une organisation de secteur, organisation d'aménagement programmée, qui permettra de dire aux gens, ben voilà, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'on organise un petit peu le secteur. Et sans doute qu'après, ça va nous prendre environ 2 ans, et sans doute qu'après, il faudra aller plus loin, c'est-à-dire aller chercher dans le foncier, comment on valorise le foncier, comment on aménage ce secteur-là, mais ça, je pense que c'est une étape qui viendra en second plan. Donc là, c'est l'enquête foncière et définition de la dureté foncière, on est dans le même cas. L'analyse de l'état initial du site, c'est la définition du projet qu'on appelle, l'étude hydraulique, les études de déplacement et stationnement, parce que c'est important sur cette partie-là, les études avec les liaisons douces, élaboration du parti d'aménagement, réflexion urbaine, architecturale, parce qu'on est dans un secteur ABF, permettant de définir une stratégie urbaine d'aménagement global du secteur, l'analyse préliminaire des VRD, ce qui nous permettra de créer une OAP dans un premier temps. Voilà, je vous ai résumé assez rapidement les trois mandats qu'on propose de donner à Alter.
Y a-t-il des questions? Et on va faire un vote par délibération. Laurent. Alors, on va laisser l'honneur aux dames. Claire. Une question pour savoir si pour ces trois mandats, il y a eu trois appels d'offres ou du coup, à chaque fois, c'est Alter qui a été choisi? Il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est une rencontre des rencontres. Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. D'accord. Donc, ils ont été choisis qu'eux, il n'y avait pas d'autres... Des types de dossiers comme ça, il n'y a pas 50 structures qui puissent porter là. Ou alors, c'est du privé. Hein, c'est nous qui portons, qui recrutons les cabinets d'études, qui faisons l'étude. Hein, l'autre manière, c'est ça. L'offre, là, c'est un petit peu différent. C'est Alter qui prend la main. On est dans la même configuration que la ZAC de Valenjoux. Parce que une ZAC, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, oui, je vais faire des signes de tête. Mais voilà, il n'y a pas que des mauvaises opérations. Hein. La ZAC de Valenjoux, aujourd'hui, on a eu une étape difficile. Mais aujourd'hui, on est en train de sortir de l'ornière. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer un petit peu les services. On sera toujours là. Il y aura toujours une personne dédiée de chez nous pour suivre l'étude. Mais non, il n'y a pas eu d'appel à Alter. Et... Comment ? Okay. C'est public. C'est public, Alter. Ouais. Mmh. C'est une mission du département. Ouais. OK. On ne s'est pas affranchi des règles de marché public. Hein. C'est qu'on a naturellement la possibilité d'avoir cette possibilité de contracter avec Alter. Mais Alter, après, fera des consultations, elle, pour retenir les cabinets. Laurent. Pardon. Oui, donc ça, c'est effectivement important. Et puis, il y a... Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. non, mais... Sur le... Non, ça ne me revient pas. Merci, Laurent. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre question? Parce que le temps qu'il retrouve, ça vient de revenir. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrive jamais, ça, Laurent? Je suis troublé. Bah si, c'est pas... C'est Pascal. C'est Pascal qui est troublé. C'est Claire qui a troublé. Ah, ça y est, c'est revenu. Parce que j'étais percuté par la précédente question. Voilà. Mais c'est la question. Donc, Alter a été retenue. Donc, c'est vrai qu'habituellement, quand il y a un appel d'offres, on a une présentation. Oui, oui. Non, mais on a une présentation du prestataire. Donc là, c'est public. Donc, moi, je pense qu'on peut faire confiance à Alter. La question, moi, sur laquelle je serai vigilant, c'est par rapport... Alors, la manière dont ils vont travailler, puisqu'on voit qu'il y a toute une partie de concertation et de consultation des usagers et puis des habitants. Donc moi, je serai assez vigilant sur cet aspect-là de leur travail. Et puis, alors, j'ai peut-être pas bien lu le document sur le calendrier. Donc là, j'ai appris ce soir qu'il y aurait quelqu'un qui serait dédié pour ces trois projets, pardon. Quel est le calendrier de réalisation de ces études, quoi? Ben, si on franchisait, on va être pris par un timing assez rapide. On a deux ans devant nous là où il faut vraiment qu'on travaille très rapidement pour sortir. J'espère un permis d'aménager assez rapidement parce qu'on va être contraint par les règles du PLU qui peuvent bouger assez vite. Donc après sur l'îlot de la source, ben on est contraint aussi par le fait du timing du périmètre d'attente qui va tomber dans 2 ans et demi parce que on aura dépassé les 5 ans. Donc là on est sur un temps aussi de 2 à 3 ans maxi, hein, 2 ans. Et sur la place du château, là on est sur un temps de travail un peu plus long. Hein, on est sur 3 ans de travail parce que là le travail est vraiment à faire en profondeur. Hein, il y a les mobilités, comme tu dis, il y a toute la concertation avec la population. On va être sur un temps un peu plus long de travail, parce qu'on a des commerces, il y a plein de choses à faire sur cette place-là. Donc ça ne va pas se faire aussi rapidement que les autres opérations. Je pense qu'on apprendra à lire un petit peu plus tôt. Par contre, tu as entièrement raison. Et c'est quand on a rencontré Alter, on était très vigilants sur cette partie-là, parce que c'est facile, on pourrait se dire on lègue à quelqu'un et on
laisse regarder, on laisse faire. Mais le but n'est pas là du tout. Le but est vraiment de rester vraiment avoir la main aussi sur les discussions et comment on aborde les choses. Et la partie concertation avec le public va être une partie importante parce qu'on va sans doute bouger des choses qui vont être importantes et il va falloir que Alter fasse son travail. Mais là-dessus, j'ai pas trop de doutes. Ils ont l'habitude, ils savent faire. C'est leur métier. Hein. Voilà. Donc là-dessus, j'ai peu de doutes, mais on sera très vigilant. Puis, dernier point sur les bon, ces études sont proposées, mais moi j'aurais proposé une autre étude aussi sur préalable sur le centre commercial de l'Astrée. C'est une bonne question aussi, mais tu te rends compte que alors déjà là, vu l'ampleur des études, tu sais bien que aujourd'hui c'est pas notre priorité des priorités. Donc là aujourd'hui la priorité a été mise sur ces parties-là qui va déjà nous prendre une grande partie et beaucoup d'énergie. Donc oui, j'entends, mais voilà, non, ça peut, voilà. Et il y a déjà dans le plan guide des choses qui ont été faites pour l'Astrée quand même. Hein. Voilà. Si je peux me permettre sur l'Astrée, Pascal, il y a deux choses. D'abord, il y a une partie, si tu parles du bâtiment, notamment qui concerne la plus grande emprise, on est sur du privé. Et la deuxième chose, c'est qu'on est toujours sur une étude CCI, dont à l'époque, Laurent, tu étais à la manœuvre donc dans le conseil municipal de Chemillé. Donc on ne trahit absolument pas ce dont vous aviez à l'époque envisagé avec la CCI. Juste une petite erreur d'écriture, 15 000 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC qui sont inscrits. Donc je pense qu'il manque... On va te prendre pour rectifier, pour lire les... parce que t'es bon. À la relecture, on a trouvé quelqu'un. Merci Christophe. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer aux délibérations. La première... Le point 19, je vous propose de laisser mandat place du château à Alter. On passe au vote. On bloque le vote. 58 voix pour, 3 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, qui est le point 20, de léguer un mandat d'étude pour l'étude opérationnelle d'extension d'urbaine au secteur Chizé à Alter. On passe au vote. On bloque. 57 voix pour, 1 contre, 2 abstentions. Je vous remercie. Et le dernier point, le point 21, c'est de léguer un mandat d'étude préalable à l'opération de revitalisation urbaine de l'îlot de la Source, Chemillé, à Alter. Je vous propose de passer au vote. On bloque le vote. 57 voix pour, 1 contre, 2 abstentions. Je vous remercie. C'est des contrats d'envergure qu'on vient de prendre avec Alter. Je peux vous dire que le travail va être à faire en profondeur et le travail va être, j'espère, je le ferai du mieux que je pourrai de suivi. Mais c'est un gros travail qu'on lance avec la commission et avec le service parce que c'est tout le mandat qui est en train de se jouer là, qui vient de se jouer là pour le développement de notre secteur de Chemillé. Et c'est vraiment quelque chose d'important, je tiens à le signaler quand même. Merci Pascal. Alors, juste avant de passer en questions diverses, Christelle, donc une question. Dire Pascal, on reviendra régulièrement à chaque fois où ça avancera, donc devant vous pour vous apporter les éléments nécessaires. Christelle. Oui, question. Si le fait d'externaliser là, ces études-là, si c'est une bonne opération, est-ce qu'on pourrait envisager de refaire ça, par exemple, pour nos lotissements, pour désengorger nos services ? Ou est-ce que ça reste vraiment exceptionnel et on refera que pour des gros projets ? Ça pourra se réfléchir. Par contre, sur des envergures de lotissement communal, il faudra regarder à deux fois, quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout réfléchi comme ça. On est vraiment sur des projets d'envergure, quoi. Parce que
des petits projets, je crains que, enfin, je pense que là, il faut vraiment que la commune aussi ait la maîtrise de ces parties-là, hein, parce qu'autrement, ça peut être. Voilà, je reste plus dubitatif sur le fait de léguer des petits lotissements. Je pense à des surfaces de moins d'un hectare ou un hectare. Voilà, je pense que là, on a quand même en capacité de le faire en interne et de porter ces projets-là. Et de toute façon, les bureaux d'études sont toujours les mêmes. Les bureaux d'études sont toujours là pour nous guider. Mais non, aujourd'hui, on n'a pas réfléchi dans ce sens-là. Il n'est pas question de léguer la commune à Alter. Vraiment, c'est vraiment sur des projets, je dirais, vraiment d'envergure et sur du temps. Oui, j'adhère à ce que tu dis, Pascal. Alors, sur ta question, Christelle, notamment au regard des lotissements dont tu parles, il y a deux choses, à mon avis, qui me semblent importantes. Soit, effectivement, le lotissement, il est porté par la commune, et en l'occurrence, ce sont nos services accompagnés donc d'un prestataire qui va étudier le lotissement. C'est ce qu'on a, par exemple, à la Hubaudière, donc à la Chapelle-Roustin. Soit, on donne carrément donc la possibilité à un investisseur de pouvoir venir s'exécuter sur un espace, et en l'occurrence, sur cet espace, c'est lui seulement qui va assumer les études, les travaux, la commercialisation, et puis qui va naturellement avoir toutes les démarches. Et là, on se détache totalement, finalement, de cette partie-là. Mais moi, je suis tout à fait de ton avis, Pascal. Je pense que sur les peut-être les plus petits projets de la collectivité, je pense à celui qui nous a été présenté par Christian en préambule. Bah, je pense qu'on a intérêt aussi à travailler en lien avec nos services qui ont vraiment beaucoup de compétences. Tu l'as dit, Christian, dans tes propos. Et là, vraiment, sur des projets plus importants, effectivement, d'avoir Alter, ça semble important. Mais sur le reste, je pense qu'il faut qu'on reste sur la collectivité. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. On termine cette réunion de conseil. Je voudrais juste saluer nos correspondants locaux, donc en fond de salle, qui attachent du temps et de l'importance. Et puis la dernière chose, juste avant, je laisserai la parole à Anne-Rachel pour un propos autour de la crise Covid. Alors quelques mots en deux points, donc la vaccination et le dépistage. Pour vous dire que effectivement, il y a des changements, comme vous le savez, annoncés par le gouvernement. Donc tout, vous pouvez trouver sur le site de Chemillé en Anjou des informations, le lien du moins pour aller sur Moche Communauté. En allant sur le site de Moche Communauté, vous allez sur la loupe et vous tapez vaccination et vous trouverez tous les éléments qui vous permettront d'avoir connaissance des nouvelles directives du gouvernement. Vous dire sur cette question, par rapport aux parents pour qui c'est compliqué actuellement, la situation sanitaire et puis les obligations, les informations que l'on reçoit des directeurs des écoles pour faire dépister nos enfants rapidement. Donc, à partir du 1er février, le centre de vaccination de Mauges est en ses horaires pour les 5-11 ans. Donc, en période scolaire, mardi et vendredi après l'école, plus la journée complète le mercredi, et pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi. Et donc, bien évidemment, le centre de vaccination continue d'accueillir du lundi au samedi, sur rendez-vous, les personnes de 5 ans et plus. Et puis, un autre élément aussi concernant la vaccination, auparavant, il fallait obligatoirement les deux parents ou l'un des deux parents. Aujourd'hui, il suffit d'une attestation, et donc, il peut y avoir un autre accompagnateur qui accompagne l'enfant pour qu'il soit vacciné. Et puis, concernant les rendez-vous, vous pouvez soit passer par le standard téléphonique, du lundi au vendredi de 9h à midi, ou encore sur doctolib.fr. Donc ça, c'est, je dirais, l'information, vous pouvez l'avoir rapidement sur le site de Moji. Concernant le dépistage, donc il y a eu des évolutions qui se sont faites en quelques jours. Donc il faut savoir que les pharmacies sont, on va dire, c'est un mot fort, mais épuisées en fait de cette situation, comme vous pouvez le comprendre. Donc quand elles ont été contactées, l'idée c'était vraiment de se dire voilà comment on peut les accompagner et puis permettre à chacun d'avoir de travailler et puis correctement, et puis surtout elles sont décontenancées par rapport au fait qu'elles peuvent pas aller jusqu'au bout de leur rôle auprès des patients qui viennent les voir pour des renseignements parce qu'elles sont beaucoup prises par justement ce dépistage.
Donc suite à ça, donc la collectivité, on a pris contact avec l'ARS et donc, et compte tenu du contexte sanitaire, l'idée c'était vraiment d'agir rapidement. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a un dépistage qui est proposé donc jeudi prochain, donc jeudi 3 février, de 11h à 17h30 à la Grande Halle, porte B, au Théâtre Foirail. Donc vous voyez toutes les informations. Donc la communication est déjà sur les réseaux, il me semble. Les pharmacies ont déjà reçu le flyer, donc de façon à ce qu'elles puissent la poser sur la vitrine de leur officine et de manière à pouvoir communiquer un maximum. Voilà. Faut savoir aussi que par rapport au centre, enfin, à un dépistage, on le sait pas toujours, mais c'est énormément de logistique, hein, de moyens humains, donc des personnes qui je dirais soit son aide-soignant, infirmier, je dirais étudiant en médecine. Et donc, on n'a pas d'université, donc c'est pas aussi simple par chez nous. Donc ça, c'est une complexité. La deuxième, c'est toute la partie logistique et matérielle qui est nécessaire. Donc voilà, c'est bon de le savoir, je pense, parce que souvent, on a dans le besoin, on a besoin d'avoir des informations, mais derrière, la machine, elle est pas évidente à se mettre en route. Donc pour ce dépistage, donc l'ARS a missionné les équipes de médiateurs de l'association de la protection civile du Maine-et-Loire. C'est eux qui étaient venus donc lors des différents dépistages sur Chemillé. Et vous dire quoi d'autre. Donc voilà, ça c'était l'essentiel. Ensuite, il y a un lien qui a été fait aussi avec le laboratoire. Donc Madame Langlois nous disait que voilà, il pourrait très rapidement, donc là encore matériellement ça demande du temps. Que ça se mette en œuvre, mais en tout cas, ça pourrait être dès mercredi, voire jeudi, d'un dépistage quotidien qui pourrait être mis en place donc à la maison des associations. Donc au niveau des services du TFC, voilà, ça, tout le monde est en activité, en œuvre pour tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Donc voilà, il y a une chouette équipe qui se met en place pour que la population puisse avoir moins de soucis pour ces dépistages. Là aussi, ce que proposait Madame Langlois, donc les biologistes au laboratoire, c'est qu'aujourd'hui, la complexité pour les parents, c'est qu'il faut faire les autotests. Mais en fait, les pitchouns, ils n'ont pas forcément envie de recevoir le coton-tige dans le nez. Et même si c'est un autotest, il n'empêche que c'est pas forcément simple de le faire à son enfant. Et donc, le laboratoire propose vraiment tout type de dépistage, donc du PCR antigénique, au test salivaire, voilà, du nourrisson, hein, jusqu'aux aînés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, et pour tous les âges, bien évidemment. Donc ça, c'est voilà, une information que je voulais vous transmettre. Les pharmaciens sont déjà informés, voilà, de manière à pouvoir un peu leur dire que les choses avancent, même si c'est jamais simple. Donc voilà, et puis dès qu'on aura plus d'informations, donc j'ai eu quelques informations dans l'anglois, mais donc voilà, dès qu'on en aura, ça je regarde Justine, voilà, la communication se fera sur les réseaux et rapidement, sur les panneaux lumineux, etc. quoi. Voilà, c'était pour information. Merci. Par contre, moi je suis assez étonnée que les professionnels de santé ne soient pas informés. C'est d'aujourd'hui. Oui, mais en fait, c'est quand même un petit peu embêtant que l'ARS ne fasse pas cette démarche auprès des professionnels de santé. Je vois que nous, on a mis en place une permanence tous les jours sans rendez-vous. Donc heureusement, on ne l'a pas crié sur les toits parce qu'on est déjà suffisamment occupé, débordé. Mais je trouve assez étonnant que l'ARS ne communique pas avec les infirmiers qui sont sur le territoire. Alors la complexité, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait j'ai eu Justine au téléphone, voilà, parce que c'est vrai qu'on est, on a vraiment la collectivité, notre rôle c'est vraiment d'être facilitateur et d'accompagner en fait tous ces services là. Et en fait j'ai voulu aller très vite et j'ai eu Justine dans notre fête sur ce sujet là. Pour dire, voilà, concrètement, est-ce que je peux avoir un peu d'autonomie? Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et Justine me dit, attention, voilà, je vais parler d'un site que j'ai pas envie de vous donner là maintenant. Mais en tout cas, le site, il y a bien marqué République française, il y a le logo, mais en fait, il n'est pas à jour. Ce qui fait que Justine me dit à juste titre, ah oui, mais Anne-Rachel, si on communique à la population sur ce site, il n'empêche qu'aujourd'hui, les professionnels, certains sont à saturation. Donc si on communique automatiquement, ceux qui ne testent plus, qui ne vaccinent plus parce que ce n'est plus possible pour eux, alors on va encore mettre une charge sur eux. Et ça a été un choix que l'on a fait en échangeant avec Justine. En disant, voilà, et c'est vrai que c'est pas simple de faire une mise à jour totale de tous les services. Je comprends, mais l'information, moi je passe au laboratoire tous les jours. Donc je suis assez étonnée d'apprendre ce soir, je fais partie du groupe Covid. Ça c'est d'hier.
Oui, oui. Et j'ai reçu, moi, il y a une campagne de dépistage qui va être à Beaupro. Donc j'ai cette information, celle de Chemillé. Alors voilà, je suis assez étonnée, alors que je fais partie de ce groupe-là. Alors ça c'est l'ARS. Mais bon, voilà, oui. c'est juste pour dire que on est les premiers concernés puisqu'on est le premier acteur de ce groupe et de ce service. Et je suis assez étonnée de ne pas être informée. C'est tout. Mais enfin, ça a été très 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 rapide pour te dire. C'est un mail que je transmets à Anne Rachel donc samedi ou dimanche. Anne Rachel qui revient, on recontacte et c'est Anne Rachel qui traite le dossier et très rapide. Par rapport à Beaupro, c'est aujourd'hui. Donc l'information. L'information est arrivée. Est-ce que jeudi soir dernier vous l'aviez? Je ne sais pas si. Ah non. Oui. Non, mais en deux jours on a eu l'information. Enfin voilà, ça va très très vite. Hein. Je suis assez. Enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Ce que je voulais éventuellement, c'est remercier naturellement tous ces professionnels de santé qui s'activent pour nous et pour les autres, très sincèrement. Merci à eux. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon retour. Juste plusieurs petits points. Je voudrais Yann. J'ai un point avec Yann. J'ai un point avec Yann Leroux aussi et Pascal. L'ensemble des maires délégués aussi.